Pam 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 pam. Harcèlement, racisme, misogynie, homophobie, toxicité, coup de tonnerre sur Twitch, la plateforme de diff... Je m'étouffe. La plateforme de diffusion du jeu vidéo. Le manque de modération, le laxisme. J'ai écrit. Oui, parce que c'était censé être préparé. Hein. Manque de modération. Le laxisme chez les talents et les vidéastes est-il en train de nuire à la réputation des gamers, déjà encore mal vus en société? Heureusement, il existe des petits médias indépendants sur la plateforme Violette qui revendiquent le respect, la bienveillance, l'écoute et la solidarité. Bienvenue chez Ivasun Studio. Ouais, c'était censé être préparé, c'est tout raté, c'est pas grave. Tu fatigues. C'est pas du direct. C'est Pas du direct direct. d'habitude, au bout d'un moment aussi fait. Hein. C'est la fin du mois, c'est la fatigue, c'est pour ça. C'est fatigué. Bonsoir, bonsoir tout le Toi, monde. c'est leur père. Voilà. Bonsoir Imfire sur le chat. Là. Pourquoi est-ce que tu Oh, imites Maïté, Rimfire. Jake? Oh, Ah. Rim. Ouais, ça fait longtemps. Coucou tonton. Il y Ça a fait plus sans Ralgamaziel qui avoir des demande scores. sur le Discord pourquoi est-ce que j'imite Maïté? Alors c'était pas Maïté, c'était censé être un journaliste à la voix très monotone et pourrie. Ah mais ça faisait C'était ça, c'était beau. vraiment reportage M6 par contre, hein. C'était bien. Bon, eh bien la prochaine fois nous ferons une introduction en comédie musicale. C'est Oh, non. tout seul, tout seul. C'est non. Bien, bonsoir tout le monde, je suis content de vous retrouver en ce mardi soir. Avant toute chose, vous le voyez sur mon écran, parce que je le vois aussi sur mon écran, parce que j'ai des yeux. Announcement, hey everyone, the server now have some anti-hack which seem to help. The server might accidentally ban you for hacking until all the bugs are fixed. If you aren't hacking, don't worry and join a new room. We are also working on an account system. Ça, c'est une très bonne nouvelle. With reporting and moderation feature the fight toxicity. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. We will launch at it as soon as it is done sometime in November. Donc, il y aura une grosse maj en novembre de Among Us. Finally, a reminder that Among Us 2 is cancelled. Bah, c'est ce qu'ils avaient annoncé cet été. Because we are putting all our work back into Among Us 1. Thanks for playing. Voilà, vous avez tout compris et bien sûr, vous êtes tous bilingues. J'admire ton intonation sur le mot putting. C'était beau. C'était Je suis incompréhensible. ému, hein. J'en pleure. Ah, j'ai fait des efforts d'articulation, s'il vous plaît. C'était incompréhensible. Articulé, oui, sûr que t'as prononcé toutes les lettres, hein. Par contre, Allez, la la prochaine fois. virtualine se C'est retrouve à magique. fond, hein. La prochaine fois, ça sera dédicace à Yakipon, on le fera en allemand. C'est non! Paul, Oh t'as le non. problème. Pistache. Alors, je suis désolé, mais franchement, la langue allemande, je trouve ça très très moche. Hein. T'es raciste. Pas du Aïe aïe tout. aïe, C'est ça y est. juste que je c'est pas agréable pour mes oreilles quand je sais pas pourquoi, Non mais c'est c'est pas très bien, c'est naturel. très bien de le faire en allemand. Non, on le fera pas en allemand en fait. Alors, juste, je finis de régler la salle parce que forcément, il y a rien qui est prêt. Le code, messieurs dames. Ce qui m'arrange, vu qu'il y a un peu de décalage avec le direct. C'est qu'on sera tranquille. Vous êtes tous prêts, vous avez vos petits doigts sur vos petits claviers. Si vous en avez pas, ben, faites avec la bouche. H Z Z N Z F. H double Z N Z F. Ça, y a beaucoup trop de Z en fait. Ouais, pour une fois. Mesdames, messieurs, je ne vous représente pas le jeu. Ça fait trois mardis que nous sommes sur Among Us. Vous connaissez le jeu. Et bien sûr, comme vous l'avez compris dans cette introduction la plus pourrie qu'on ait jamais Tu faite. peux redire le code, s'il te plaît? HZZNZF. Nous sommes dans une optique de débat, d'argumentation, de bienveillance, d'écoute, car c'est très important, on n'en a jamais assez. HZZNZF. Nous sommes 5. Qui manque-t-il à l'appel? Il manque Moi, mais Irox. bon, ça a du mal à fonctionner, genre j'arrive pas à rejoindre. D'accord, The Wolf, alias Nolan, est-ce que ton frère nous rejoint? Oui, il nous rejoint. D'accord. Alors, c'est HZ. T'as Alzheimer, toi, en ce moment, non? HZZ NZF. Moi aussi, il y a beaucoup de Z, c'est compliqué. Ouais. 18 ans, c'est triste quand C'est même. ça. Français, c'est qui français? C'est mon petit frère. D'accord. I'm here. 1, 2, 3, Ok. 4, 5, 6, 7, 8.
Est-ce que tout le monde est radi? Je rappelle que nous mutons nos micros. Yes. I'm ready. Je ne suis pas vert. Ready. Oh, j'ai un petit chat qui ronronne dans mes oreilles. Oh, que c'est trop mignon. Merci Rimfire pour le follow. Nous lançons la partie. Merci Rimfire. Merci Rimfire. Merci mon tonton d'amour. Oh, imposteur dès la première partie. Et avec Nino imposteur. Ah mais sortez le champomie. Sortez le champomie, moi je vous le dis. Là. Alors, nous avons pas de tâche. Vas-y, tue-le. Ah non, ne le tue pas encore de suite. Vas-y, tue-le. 1, 2, 3. Tue-le, vite, Nino. Voilà, c'est bien, merci. Je suis mute. Oui, c'est bon. Oh, il y a des gens qui font des tâches. Attends, j'ai vu qu'il avait un bonnet de Noël, le monsieur, là. Je savais pas qu'il se avait déjà mis des bonnets de Noël, c'est très étrange. Déjà qu'il y avait des décos d'Halloween. Bon Nino, je te laisserai tuer cette personne et cette personne. Tu le 1, 2, ah bon tant pis. Elliot est déjà... Alors Elliot, alias Trufilio sur le Discord, alias Descom, il va buzzer parce qu'il est en train de se douter quelque chose, faut le tuer. Ah non, il y a... Bon. Hein? Ah, il y a trop de monde, fait chier. Imra qui part, Imra qui part, Imra qui monte, Nitrox qui... Oh non, il y a quelqu'un qui rentre, il y a trop de personnes. Oh là là. La maladresse du joueur français. Vas-y, tue-le Nino, je m'occupe d'en bas. Ah, report. Ok. Ouais. Alors attendez. C'est Nitrox qui a la parole. Qui était où au début? Bah, on était tous à la cafétéria. Qui est parti en dernier? Qui est parti en dernier? En dernier? Moi, je suis parti en premier à l'office. J'ai pas fait gaffe. Non, parce que je vous explique. C'est un double kill au niveau de la poubelle en haut à droite. Un double kill au niveau de la poubelle. C'est quoi la poubelle en haut à droite? Ah, les feuilles! Non. Ouais, les feuilles. À côté de weapon. Ouais, les feuilles, les feuilles. D'accord. Mais du coup, c'est forcément le dernier. Parce que j'étais admin, j'ai vu qu'il y avait trois personnes cafettes. Il y avait deux personnes qui étaient toujours là, ça veut dire qu'il y avait un double kill. En haut à droite de la map, on va dire assez longtemps après, du coup, vu que c'était au début. En haut à droite de la map, il y avait Jake, Nino, et moi je venais d'arriver. Déjà, moi je peux innocenter Imra sur ce kill. Parce qu'il a direct fait le download pendant que moi je faisais l'astéroïde. On est sûr que c'est un double. Est-ce que Imra, tu confirmes que Nitrox a fait les tâches astéroïdes, donc tu as vu un visuel? J'ai pas fait attention au visuel, mais j'ai pas. Non, je crois qu'il y a pas le visuel. Hein. Si, si. Les tâches visuelles sont activées normalement. Ok, j'ai pas fait attention au visuel. Je vérifierai après, mais normalement elles sont bien activées, ça clairement. On voit pas les astéroïdes sur cette carte, je crois. Bah, si. Bah, les pieds nombreux à droite, hein, donc quelqu'un qui kill et qui remonte derrière. Ouais, les petits lasers qui tirent. Bien sûr. Qui remonte, c'est pas compliqué. Hein. Normalement, oui, si c'est réglé pour, oui. Parce qu'on peut désactiver l'étage visuel, mais par. Mais à la fin, il y avait qui cafette? Répète, j'ai mal compris, Nitrox. À la fin, il y avait qui cafette? Moi, j'étais avec toi, Office. J'étais Office, moi, personnellement. J'étais avec Nino, Imra est passé, il est reparti. Il y a le petit français Aerox qui était là aussi. On était assez nombreux, hein. On était tous à cafette, je crois. Bah, c'est bizarre. Ouais, on était nombreux. Ouais. Alors moi, j'ai un truc à dire pour m'innocenter très prochainement, vu qu'il y a les visual tasks. J'ai un petit med scan, si vous voulez bien suivre. J'aime bien jouer au docteur. Mais, du coup, là, vraiment, faut... Moi aussi, Jake. Limite, faudrait trouver quelqu'un, parce que vraiment, là, c'est un double kill et on est déjà perdu, en fait. C'est vrai. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Mais après, est-ce que c'est un double kill au même endroit? Si, si, c'est un double kill au même endroit. Ouais, donc ça veut dire qu'il faut voter quelqu'un au pif, quoi. Ouais, mais c'est casse-gueule. Parce que si on vote plus quelqu'un au pif, il reste plus que... Il faut un double kill, c'est fini, hein. Ouais, c'est vrai. Bon, attends, mais au pire... Ouais. Ouais, mais là, en soi, ils ont juste à suivre. À me... Ouais, je vais pas dire la technique. Bon. Elliot, c'était quoi ton parcours en 15 secondes? Alors mon parcours, je suis parti office, j'ai fait toutes mes missions, je suis parti en bas, j'ai fait le download qui est tout en bas au com. Je suis remonté pour aller faire mes câbles en haut à droite là, à navigation.
je suis redescendu avec vous jusqu'à l'office pour refaire le deuxième download et là je suis parti électricité. Ok. Merde. Bon bah... Oui, et j'ai failli skip. Là il aurait pu que quelqu'un... J'avais le bouton sur Elliot mais j'ai pas cliqué au final. À tout à l'heure. Ouais. On n'avait pas dit vote obligatoire? Non, on n'a jamais rien dit. Ok. Ah, comment faire perdre du temps juste pour que personne vote, comme ça on peut kill en paix. J'ai des applaudissements dans mes oreilles, je n'ai pas mon retour, qu'est-ce qui se passe? Dreamfire a donné 5... Oh, merci tonton, mais c'était pas... C'est adorable. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Le fait que ce soit toi, ça me laisse pas indifférent, vraiment, merci tonton. Et voilà, Elliot qui buzz. Ah. Oui. C'est un buzz. J'espère qu'il y avait un kill, mais il n'y en avait pas. Pourquoi il n'y a personne qui m'a suivi? Vous êtes tous barrés? Bah parce qu'on s'en fout. Faut faire un médecin. Non, en fait, c'est sur la fin, j'étais complètement perdu par rapport au vote passé que j'ai complètement oublié ton medscan. Ça, clairement, voilà. Tu l'as fait du coup là ou tu l'as pas fait? Non, je l'ai pas fait. D'accord, j'ai ok. Attendu au bouton. Mais en soi, les gars, nos missions ne servent à rien. Là. Est-ce que, je sais pas si vous avez compris, mais il y a deux imposteurs et ça veut dire que le temps qu'on remplisse toute la barre, ils ont le temps de nous tuer tous trois fois. Donc, on peut pas faire les missions, on peut pas gagner les missions. Donc là, il faut juste, entre guillemets, juger les copies. Non, mais là, en fait, est-ce que vous avez vu un comportement bizarre? Bah, à part un don de 5€ sur le stream, non. Ah, c'est bizarre. Donc là, il faut juste trouver et innocenter plus rapidement les gens pour trouver le... Est-ce que... Moi, le seul que je peux innocenter, c'est Imran. Est-ce que, monsieur joueur français, Aerox, tu nous entends? Parce que je vois que tu as un micro plus que mute sur Discord, t'as un souci micro apparemment. Est-ce que tu peux nous écrire en jeu, toi, directement, ce que t'as fait, ton parcours? Parce que vu que t'as pas parlé... On sait pas trop ce que t'as fait. Si tu nous entends, si tu nous entends pas, j'ai parlé pour rien. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Non mais c'est pas grave, il nous reste 100 secondes. Pas le temps. Hein. D'accord, pendant ce temps, les gens disent coucou sur le chat du jeu à Twitch. Eh bien écoutez, faites ce que vous voulez. Hein. Saluez le monde. Hein. N'importe quoi. Mais non, mais parler, enfin je sais pas, faut faire quelque chose. Ouais. Ah. On vote qui? Par défaut, on vote le petit français, même si ça me fait mal ou... S'il y a eu un double kill, c'est potentiellement Nitrox et Imra, parce que peut-être qu'ils s'innocentent les deux et qu'ils ont fait un petit double kill au début et voilà. Ah, c'est pas con ça. Soit, c'est possible, ouais. Soit pour moi, c'est FR, Jake et Nino, vu que c'était les deux qui avaient navigation le plus proche de Cafet. Bon, on était quatre à ce moment-là. Non, mais moi, alors, je tiens juste à dire que pourquoi j'aurais report les corps que j'aurais tués, alors que je suis parti en premier, et que j'avais juste à me faire un double kill avec Imran. Pourquoi? Alors, moi, je tiens à dire que j'ai été dans la salle admin à un moment, il y avait pas mal d'autres personnes avec moi, j'avais 10 occasions de vous tuer, je l'ai pas fait. Ouais, si j'avais voulu, t'as voté pour Imra. Pas de moi, t'es un imposteur, quoi. Imra, t'as j'avais vu du monde d'admin tout seul, j'aurais pu le tuer quand je voulais. Alors, je corrige juste un truc... Imra, t'as voté qui? J'ai skippé. Je corrige juste un truc, Aerox, en fait, c'était ma faute si je t'entendais pas. Suivez-moi, je te demande pardon. Je te demande vraiment pardon, Aerox. J'ai un mec qui vote pour moi. Vous êtes mort. J'ai toujours un medscan. J'arrive, je te suis. T'as ta petite blouse? McDo et tout, des fois, je peux rien. Ok, je suis mute. Coucou Scrion alias Toto sur le chat qui met une icône sale. Et bah, j'ai envie de dire. Si t'as envie de mettre du sel, fais ce que tu veux. De toute façon, on a l'habitude. Toujours debout.
Oh. Alors, je te demande pardon, Aerox. Salut, c'est Ralph. J'ai peur de sortir de la ventilation, j'ai pas pris la bonne ventilation du tout. Ah, il va report. Non. Ah, ça y est. Oh les gars, je nous ai sauvés là. Ouais, GG. Y'a Franck. Où vous êtes? Où vous êtes? J'ai l'électricité, mais tout le monde sait que je suis pas moi. J'ai croisé Scam, justement. Après, par contre, y'a pas l'anime du scan. Hein. Y'a pas eu l'anime du scan? Y'a pas eu l'anime? Ok, alors je toucherai de nouveau au réglage tout à l'heure, faites-moi y penser. Mais du coup, t'étais où, Jack? Tu m'as très mal nommé, je suis désolé. Jake. Merci. J'étais au Shield, là présentement, je faisais un petit tour. Ah, t'étais au Shield? Bah oui, j'étais parti sur Edge, devant la salle de communication, Shield, et j'allais remonter. Et t'es passé par où pour aller à Shield? Bah, par en bas, Storage, devant la salle de com, parce qu'elle a la salle de com. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut conserver sa version d'effet? Il a utilisé le vent. Non, parce que le kit de français, en fait, il est à navigation. C'est bizarre. Ouais, c'était ma prochaine étape d'aller à navigation, justement. Je n'y étais pas. Là, sur ce round-là, je n'ai pas mis les pieds de ce côté-là. Non, mais d'accord, mais après, du coup, la question, c'est est-ce que quelqu'un peut confirmer la version de Jack? Est-ce que quelqu'un peut confirmer que c'est pas toi qui a auto-report? Non, moi je t'ai pas vu de toute manière, Jake. Mais j'ai une question. Dis-moi franchement, est-ce que t'as utilisé la veine de navigation à Shield? Tu connais mon style de jeu, je n'utilise aucune ventilation dans tous les cas. Parce qu'une fois que tu t'es fait cramer dans une veine. C'est pour ça que je l'utilise plus, c'est parce qu'il arrête pas de se faire cramer. Tout simplement. Je confirme, Jake, il joue très rarement avec. Et du coup, Nino, t'étais où? Moi, j'étais à Electrical. J'ai croisé. Je confirme. Et Imra? Moi, j'étais au CAM. De toute façon, j'ai déjà fini toutes mes missions, donc j'ai que ça à faire. Bah écoutez, vraiment, si c'est pas Jake, je suis désespéré. Hein. Moi, là, pour le moment, je suis désolé, Nitrox, mais mon doute est vraiment sur toi. Moi, je fais mon taf. Après, les autres, faites ce que vous voulez, mais Nitrox, au final... Moi, j'ai vu tout le monde partir à gauche, et vu que j'avais fini mes quêtes, un ou deux, bah du coup, je suis allé voir en navigation s'il y avait un kill, et il y avait un kill. Donc, écoute, tu me crois ou tu me crois pas. Mais... L'argument de Jack tient aussi la route, hein. Ça pourrait être un self-report. Hein. Dans Nitrox, a trouvé le cadavre où, là? Ça fait quand même deux fois là qui reporte, deux fois où il est seul à trouver les corps. Parce que c'est un poster, les amis. Non mais écoute, je vais pas self-report deux fois, je suis pas débile non plus. C'est pas une question d'être débile, ça peut être une stratégie. Les oranges, c'est pas très bon, franchement. La couleur orange, c'est pas ouf. Hein. Bah, tu viens de confirmer que Nino était à Elec. Le petit rond. Il est l'orange. À mort l'orange. Mais attends, mais tu viens de confirmer que Nino était à l'ELEC, pourquoi tu lui votes? What? Explique-toi. Parce que l'ELEC elle venait de la droite et vers la droite il y a le shield. Et alors? Oh non, mais attends. Mais c'était Jake en fait. GG. Ma pauvre. Ma Nino. Non. Bon, faut que je me débarrasse de Nitrox moi. Et que je rajoute des tâches au passage. Ça manque de sabotage tout ça quand même. Hein. Genre ça. Merde. Pas de chance, Jake, je viens de te voir tuer sur les caméras. Ah mais voilà, alors, juste, vous me laissez terminer, s'il vous plaît. J'ai quand même report le corps. S'il vous plaît. J'allais me diriger vers le réacteur, car une alarme très sonore a bousillé mes oreilles. Passant devant la salle des caméras, je rentre.
enfin, rentre, il y a le croisement, quoi. Et là, Imra m'a pas vu arriver, et je clutch, 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 coup de couteau. Ah, c'est une belle histoire, avec des petites oreilles. Non mais, de toute façon, Jake, moi, j'ai une sorte d'Imra depuis tour 1. Ah, il est mignon, franchement, en plus, il a kill, pas kill, juste avant la fin de... Il pouvait pas double kill tour 1. écoute, je pense que tu es foutu. Tu fais une grosse bêtise, tu m'excuseras, mais... Non mais voilà. Belle totale. On était les deux seuls qui pouvaient safe. Elliot, en soi, il a balancé Nino, donc... Et voilà. En plus, j'ai vu ça à la télé directement. Non mais après, c'est pas grave, c'est la game de chauffe. Moi, je m'en fous, je vois Zimmer. Ah bah, de toute façon, pareil, assez évident. Je suis pas surpris. Elliot, comment t'es mort? Bah, je sais pas, quelqu'un m'a craqué le cou. Je sais pas qui c'est. Il m'a craqué le cou devant les câbles électriques. Par contre, j'aimerais comprendre une chose. Vas-y, Nino. Sur quel argument on m'accuse? Oui, pourquoi Nino a sauté? Parce que. J'ai pas compris pourquoi t'as sauté. Hein. Mais j'étais. Depuis le. Enfin, c'est-à-dire, quand il m'a dit les deux kills étaient qu'à fait, peut-être j'ai eu de la chance, c'était le bad timing et tout ça. Mais les deux seuls qui avaient la navigation quand moi je suis arrivé, c'était Jake et toi. Donc je me suis dit, bah, ils ont dû faire les doubles kills et faire le. Genre qu'ils avaient des missions sur la droite et tout ça. Donc j'avais une suspicion sur eux deux, sur vous deux. Après, il y a des trucs qui a commencé à beaucoup parler. Et là, j'ai fait, oh là là, oh là là. Et après, j'ai repensé à la partie où c'est lui qui avait fini la partie à lui tout seul. T'as dit que c'est qui parlait beaucoup, moi? Non, Nitrox. Ah. Il parlait beaucoup et je me suis dit, ça se trouve, il fait comme la dernière fois. Il est innocent, mais il fait pas exprès de parler autant et il va se tuer tout seul. Donc je me suis dit, je pense pas que ce soit lui. Et du coup, je me suis dit... Il y a eu un kill. Shield. Toi, Jake, ta version me semblait véridique. Nitrox et Imra, ils s'innocentaient. Je me suis dit, bon, mais il reste qu'une personne qui n'a pas été citée ni rien. Et qui a juste dit qu'il était Lek. C'était Nino. Donc je me suis dit, si ça se trouve, elle venait de la droite au Shield. Et du coup, j'ai voté pour elle. Ouais, en vrai, il y a de la chance, ouais, mais. Par élimination. Elle venait pas du coup des shields et c'est pas elle qui a tué. C'était pas toi qui a tué. Je suis quand même dégoûté que vous ayez. Je suis vraiment dégoûté que vous ayez fait sauter Nino vraiment sur la fin, sachant que vous me soupçonniez moi. Ça me fout un peu les boules, j'avoue que. Enfin bon, c'est le jeu. Bonsoir Torren, voilà. Qui nous a rejoint. Bonsoir. Welcome. Donc Toto qui nous rejoint sur la salle. Le code. Le mot de passe. C'est HZDSNF. Voilà, t'as tout compris. On t'attend. Qui c'est qui avait voté contre moi, contre Nino? Je sais pas. D'accord, merci. Ouais, il y a deux personnes. Oui, il y avait deux personnes. Je crois que c'était Nitrox, non? C'était toi Nitrox qui a voté contre Nino? D'accord, merci. Le plaisir est pour moi. Bah écoute, hein, qui ne dit mot consent, comme on dit. Hein. Je suis pas sûr que ce soit un bon argument, surtout en ces temps étranges. Non plus, mais bon, là. Parce que si c'est pas un oui, c'est pas un consentement. Mais ils ont déjà mis des trucs de Noël, c'est bizarre. Halloween, oui, c'est la période, mais chapeau Noël et compagnie. Ah, dans le jeu. J'ai cru que t'avais été la lumière dehors. Moi. Ah oui, non. Vous allez m'appeler Rick maintenant. Je sais pas si ceux qui ont la ref. Qui est morti? Non. Non. Jean-Michel, pas la ref. Ouais, je l'ai pas. Ah, vous avez pas la ref? Non. The Walking Dead par hasard? Non. Ah, c'est le shérif, c'est le chef. Yes. Pas des elfes. Pas le. C'est un shérif à la base. Le D'accord. héros de la série, c'est un shérif, et il a le chapeau de shérif. D'accord, ok. Allez, c'est parti. Yes. Tout le monde s'en fout. Je regarde pas Walking Dead, en fait, donc j'ai pas du tout ces références-là. Nous ne sommes pas imposteurs pour cette partie-là, pas du tout.
Commençons par des tâches de téléchargement. C'est du téléchargement légal, du coup Adopi ne viendra pas nous casser les noix. Mais est-ce que Adopi a vraiment été utile une fois? Ça, c'est une bonne question. Pendant ce temps, sur la map, quelqu'un a saboté les lumières. Voilà, qui c'est qui a pas payé la facture d'électricité? Ah! De suite, hein, EDF, il coupe l'électricité. Qu'est-ce qu'on paye pas, hein? Bon, elles sont où mes otages? Ah, j'ai un truc là. Hop là. En même temps, Adopi, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord, hein, Draken, franchement. J'ai deux tâches là-bas, j'en ai une au shield. On va d'abord faire le shield. Easy. Nous passons à l'électricité, mais je pense que ça va buzzer ou qu'un corps va être découvert. Par exemple. Oula! C'est juste derrière moi. C'est Aerox qui a découvert le corps. Ouais. Parce que Jay passé sur le corps et il a pas. Et oui, je reconnais que j'ai vu deux corps pile devant la réparation Jake. D'électricité. Mais laisse-moi finir. J'ai en effet, je rentre dans la salle d'électricité. Il y a deux corps. Vraiment, les deux, ils sont là. C'est comme les deux amants de Pompéi, quoi. Donc ça s'est sûrement fait pendant la panne c'est sûrement fait durant la panne d'électricité. Effectivement, je les ai pas reportés parce que je tenais à faire ma tâche juste en haut d'électricité sur les câbles parce que c'est super chiant à faire. Et après, je serais descendu pour faire le report. Mais Aerox est rentré juste en ce moment-là et en effet, je n'ai pas reporté corps et c'est Aerox qui faisait report. Puis-je parler? Alors, Jake. Je confirme qu'il y a bien les visual tasks parce que je savais pas qu'on pouvait voir les astéroïdes, mais en fait il y a des espèces de petits canons roses là juste en dessous du vaisseau, j'avais pas vu. Et genre les petits canons roses ils tirent quand tu fais des trucs. Ouais, c'est bien. Après 60 heures de jeu. Chez les aussi, c'est du visuel. Oui. Ouais. Oui. Voilà. On t'entend. Sinon, faut parler un peu plus fort. Sinon, il y a. Voilà. Cam toute la game. Cam toute la game. J'ai ouais, regardé j'ai un vu peu les cams s'activer tout le temps. Ouais, c'est moi. J'ai vu un moment le noir passer. Jake est passé dans Storage. Oui. Il y avait qui Nino et Desco à un moment. Ils faisaient les câbles Storage, je crois. Si je me rappelle bien. Non, je ne faisais pas exactement les câbles, j'étais en train de downloader. Bon, bah, vu que les tâches sont vraiment côte à côte. Ouais, c'est inadmissible. Moi, j'étais avec Nino les trois quarts du temps, donc je pense pas qu'elle ait fait quoi que ce soit, inversement. Je peux parler, je peux innocenter Imra aussi, je pense. On a été ensemble, là, trois quarts du temps du tour. On s'est suivis, on avait peut-être 10 occasions de se tuer mutuellement et rien ne s'est passé. Vous avez peut-être eu l'occasion de faire un petit double kill électricité. Oui, voilà, vous êtes tous deux, entre vous. S'il n'y a pas de visual task. Ando. Si tu as un doute sur nous, tu peux venir. On n'est pas parti électrique. Il y a notre petit groupe, hein, il est ouvert. Oh, c'est mignon. Nino, il n'y a pas de ségrégationnaire, hein, pas de panique. Hein. Au tout début, t'es parti sur la droite, Nino, avec moi, et j'ai fait les astéroïdes à côté de toi. Bon, tu m'as pas vu vu que t'es parti direct. Ouais, je suis parti. Alors, attends, c'est qui trop... je suis allée vers le bas. Je crois que je me suis arrêtée à mes questions. J'avais beaucoup de câbles électriques. J'ai retrouvé Imra en fait sur le chemin et on est parti à admin et on a fait des trucs à admin. Oh, c'est mignon. Hein ouais, on a fait des trucs à admin. Et venez, hein. Mais cela ne nous regarde pas. Andou, il vote pour moi gratuitement. Oh, quoi. Les votes sont lâchés. Hey, Jake, tu crois que tu votes pas pour moi gratos, toi? Heureusement qu'il y en a qui skip, hein, parce que j'ai des têtes qui sautent pour rien. Je vais augmenter un peu la discussion après, parce qu'il y a quand même des arguments à dire. Elliot, il a pas vraiment dit ce qu'il est en train de faire au final. Donc, je pense qu'Elliot fait partie d'un des deux imposteurs. Mais Nino et Imra se sont quand même auto-défendus. Ça peut être une stratégie. Et ils ont dit sur un ton avec un petit sourire en coin, parce que je maintiens
je le redis, le sourire, même si on n'est pas les uns à côté des autres, le sourire, ça s'entend quand on parle. Là, par exemple, je ne souris pas, donc on a l'impression que je fais la gueule. Alors que si je mets un sourire comme ça, normalement, ça s'entend un petit peu plus. C'est très subtil, et pourtant, ça fonctionne. Petite astuce de discussion, de tout ce que vous voulez en parler. Réacteur, c'est fait. Ah, le jeu du Simon qui dure 30 ans. Allez, je commence. Première touche, je me plante. Désolé, sur ça je me concentre parce que j'ai des petits problèmes de coordination entre mes doigts, ma souris et mon cerveau. Hein? Qui c'est qui est mort? C'est The Wolf, Nolan. Bonsoir, ouais. Bonsoir. Ouais. Bon. C'est bien, t'as déjà perdu 7 secondes. Ça veut dire qu'il reste logiquement... deux imposteurs normalement vu que personne n'était là. Ah ouais. Bon, j'en connais l'un d'entre eux, mais je connais pas le deuxième. Donc vu que Nino est morte, je suppose que c'est pas Imra, vu qu'ils ont été toute la game ensemble et qu'il y a un double kill. L'imposteur en question c'est français, vu que j'étais office, tu m'as vu office, on est d'accord, avec aux caméras, tu m'as vu aller office. Imra. Il est mute sur Discord. Non, mais en fait, c'est Imra, il te demande à toi si tu as vu passer aux caméras Descom. Ah oui, je l'ai vu passer, oui. Ah, ok. Et bien, je suis redescendu. Et là, il y a un petit français qui arrive d'en bas, là où il y a les bidons, l'essence, là où il y a les feuilles, là, tout en bas. Et je me dis, bizarre ça qu'il revienne d'un endroit tout seul. Je fais trois pas vers le bas, il y a report. Donc, je reporte. Ah là là. Voilà tout ce que j'avais à dire. D'accord. Mais Nino, elle était du côté des cams aussi, parce que moi j'ai croisé un moment. Hein. Quand il y a eu l'alerte, en fait, il y avait Jack qui allait aussi, il y avait. On est tous, en fait, quasiment, on était au moins 5 là-bas. Donc, on a déjà un imposteur. Et moi je maintiens là, Jack. Jack, c'est sûr, il est safe ? Non, pas safe, justement. Ah. Pour moi, pas safe. Ok. Alors, ouais, il reste pas beaucoup de temps, parce qu'en vrai, le temps défile très vite. Parce que bon, voilà. Pourquoi tu dis que je suis pas safe? Les accusations contre toi, t'as eu des mouvements apparemment un peu bizarres. J'ai tout le temps des mouvements bizarres. T'as voté qui, moi? Français. Bien joué. Je suis désolé, Ando, mais cette fois, cette partie-là, je ne suis clairement pas un imposteur. Moi, je fais mes tâches dans l'ordre que j'estime être le meilleur pour les faire le plus rapidement possible. Après, en effet, j'ai pas reporté les corps la dernière fois parce que je tenais à faire la tâche hyper longue et chiante des câbles parce que c'est une tâche que je déteste. Donc plus vite je m'en débarrasse, mieux c'est, et après j'aurais pu reporter les corps. Mais ça a été report juste avant. Ça, on va le savoir très vite, hein, déjà si on en fait sauter un. Bien joué, les copains. Les imposteurs, on gagne. Ouais. Non, je déconne. C'est de nouveau une alarme réacteur. Ils iront sans moi. Je prends un risque. Je tiens à prendre ce risque-là parce que je vois les tâches. Je pense qu'on peut encore gagner sur les tâches. Voilà, réacteur, c'est fait. Allez, vite. Plus vite je m'avance, mieux c'est. Tac, ça c'est bon. Normalement, il m'en reste qu'une. Oui, il m'en reste qu'une. Allez, on se bouge. C'est pas tout ça, mais le temps, bah, c'est de la vie hein, dans ce jeu. Merde, elle est où la table? C'est où? Security, d'accord. Security, c'est devant les cams. Ando. Je suis sûr qu'Ando, il fait partie des imposteurs, en fait. Parce que à chaque fois, de toutes les parties qu'on a pu faire, où il m'accusait, c'était juste pour me faire chier. Et il faisait partie des imposteurs. Il y a quelqu'un derrière moi, je sais pas qui c'est. J'ai fini mes tâches. Imra, il est là. Je vais suivre Imra, apparemment. Imra ferait partie des safes dans ce jeu. Dans cette partie, du moins. Ah, bah, quelqu'un est mort. Donc il reste Ando. Alors.
Donc le corps, il est entre storage et cafeteria. Donc à droite, quoi. Ou plutôt au milieu. Ouais. Et du coup, bah... Il y a juste un petit problème, parce que je sais que tu vas me viser. J'étais avec Imra pendant un bon moment. On était ensemble tous les deux là. Après, est-ce que tu m'as pas rejoint après, je sais pas. J'ai fini mes câbles électriques là. C'était les premiers étaient au niveau de la navigation. Je suis repassé par en haut parce que j'ai absolument pas mis les pieds au sud. Et j'ai fait les derniers câbles qui me restaient à l'entrée des caméras. Et après, j'ai vu que t'étais là, Imra. Et vu que pas mal de monde, à mon sens, t'avais quand même innocenté ou dit que t'étais safe, je suis resté avec toi. Donc au final, Baptiste, d'autres étaient tout seul. Mad Bay, bon, il y avait personne, mais j'ai fini sur Mad Bay, justement. Donc si tu étais au caméra, t'as vu mon parcours durant toute cette session. Ouais, mais je peux confirmer à peu près ce que t'as fait. Donc ça, que, voilà. À mon avis, c'est en doc qui plonge. Voilà. T'as un truc pour Def, dire que c'est pas un self-report ou quoi que ce soit. Tu m'as aussi vu sur la caméra, je suppose aussi, donc tu as vu que j'ai rien fait. J'ai vu aller à droite, mais... Ah, j'ai fait une mission, donc j'ai... Tu es cadavre ou est-ce que c'est toi qui l'as tué? Ah non, je suis allé à droite. Oui, je suis allé à droite. Je t'ai vu remonter, en fait. Oui, j'ai fait un tour de vaisseau parce que j'ai fini mes missions et que je voulais voir s'il n'y avait pas un cadavre quelque part, quoi. Enfin, ça sert à rien que je me défende, une vote. T'étais suspect à partir du moment où t'as commencé à vouloir m'accuser à moi, parce que à chaque partie où tu veux m'accuser dès le départ, c'est toi qui es imposteur. Vous avez eu totalement trop de chance au début, parce que j'avais pas fini les hacks, je me suis fait kill et ça a remis les hacks, et du coup bah personne n'a eu les hacks. Mais genre, ok que c'est fait exprès, mais genre, attention, il y en a qui restent pas dans son défense, tu les as remis tout seul. Ouais. Nolan, The Wolf, je pense que tu as une alerte orange ouragan chez toi. Est-ce que tu veux bien un peu pousser ton nez de ton micro? Attends. Parce que c'est l'effet qu'on a en mode... Désolé. Je te sais pas dans les champs ici, regardez-moi ça avec un petit chapeau de cow-boy. Non mais t'as pas l'accent, ça compte pas. Elle est où la fourche l'accent. Parce que sinon c'est pas RP. Hein. Ouais, elle est où la fourche? Ouais, c'est vrai qu'il manquait la fourche. La fourche. Est-ce que au niveau des réglages de la partie, ça vous convient? Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Non, ça a l'air ok là. De temps de parole, c'est ce que tu disais peut-être. Ouais. Bon, je trouve que c'était assez, ouais. Là, ça va, parce que. Vous avez pas une command task en plus, en vrai? Une command task, hein? On fait du 3-1-3. Les gars, il y a le chapeau de Maxime. Non, mais en fait, c'est juste que genre, j'ai l'impression que les tasks. Alors, les command tasks, je ne peux pas en mettre plus de 2. Mais une short. Non, mais les short tasks. 4? Ouais. Ouais, parce que vraiment, c'est allé vite quand même. D'accord, si cela vous convient ainsi. Mais vous aviez vu, il y a le chapeau de McCree sur le jeu. Chapeau de McCree. Oh, on en est là. Texas Ranger, wesh. C'est reparti. Tim, 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 tim. Ah, imposteur avec Ando. Imposteur avec Ando. Alors, nous regardons, nous avons des tâches là-haut. Oh, j'ai pas envie de tuer le petit français, ça va faire deux fois que je le tue en premier, j'ai pas envie. Par contre, il faut que je tue soit Nitrox, soit Elliot en premier parce qu'ils sont chiants. Ah, Nolan, je le vois. Ok, c'est Imra qui est en haut, Nolan. On va l'innocenter dès que possible. Descom, il est là. Les cibles, faut vraiment tuer Descom et Elliot. Elliot, c'est Descom et Nitrox, pardon, en premier. C'est eux qui ont un truc d'enquête le plus chiant qui est un casse-toi. Tu me saoules. En vrai, c'est pas, il me saoule pas, mais. Je sais qu'il commençait à poser trop de questions là. Oh. Le corps, je l'ai trouvé en bas, par contre, je serais pas voulu aussi. Il est genre, il y a un bidon d'essence à côté. Ah, c'est storage. J'y étais storage pour aller faire la poubelle. D'accord. À droite.
Thorin, j'ai juste une question d'ordre très général. Tu débutes sur le jeu, t'as combien d'heures de jeu? Zéro, j'ai regardé des streams, c'est tout quoi. Non, c'est parce que c'est par rapport à ça. D'accord, ok, donc on va te considérer comme débutant, d'accord, ok. Je sais pas si les gens peuvent me safe, mais moi j'ai fait Astéroïde. Oui. Plein de gens qui est passé devant, je confirme. Voilà. Après, je suis parti de Unwold, là j'ai l'admin pour le bah, le faire admin. C'est tout. D'accord. C'est tout ce que j'ai fait. Il y a qui est passé en bas à côté de Storage? J'étais à Storage par la poubelle vu que j'étais. T'as croisé personne? Moi non. Pas de mon côté, ça se trouve, il est parti d'électrique vers Electrical. Et là-bas, il y a personne qui a été? Je sais pas, j'ai pas d'électrique. Si, bon, j'ai croisé quelqu'un. Bah dis. Alors, par contre, le mort, là c'est le MJ entre guillemets que j'essaye d'être. Le mort, tu restes mort. C'est pas parce que Sylvanas a part un nombre en retard récupérer des âmes que tu dois. Voilà. Mais du coup, t'as croisé qui? Bah non, il est mort. Il est mort. Tu casses les couilles. J'avoue. C'est pas un attente de discussion là. Alors moi du coup, sur ce kill, je pense que je fais une santé Nolan et Français, qui étaient aux deux au début. Bah j'y étais aussi, et Jack aussi il me semble, non? Non, j'étais pas aux deux, moi j'étais... Enfin, il y avait l'alarme aux deux et on était à 1, 2, 3, on était 4 à être au niveau de la réparation alarme aux deux. Admin, alarme admin, pardon. Mais c'était la crise aux deux. Oui, c'était la crise aux deux. Moi, j'étais où ça va se tourner vers moi en disant Etoine, t'es où? J'anticipe ou pas? Etoine, t'es où? La seule à être partie à droite, je suis allée à réacteur, j'avais une quête à faire à réacteur. Mais c'est à gauche, pas à droite. Quand il y a eu l'alerte. Pardon, à gauche. Pardon. Quand il y a eu l'alerte aux deux, je me suis dirigée vers la salle admin parce que c'était le plus proche. Donc remontée par storage, je suis passée à admin. Il y avait déjà du monde, bien sûr, qui était en train de faire à admin. Et du coup, j'étais sur la console en dessous. Voilà. T'as pas croisé un pion de poulet sur le chemin? J'ai pas croisé de cadavre, ou alors je l'ai pas vu. C'est possible, hein. Ça m'arrive d'être aveugle. Hein. D'accord, alors dans ce cas, est-ce que tu as mangé le cadavre? Je suis pas cannibale. Je sais pas, je Petit poulet basket, je te comprends, hein. Tu craques facilement. Du tout. Alors j'ai un argument de choc pour me défendre, je suis végétarien. Ah, j'avoue que c'est assez solide quand même. On skip? On fait quoi, on skip? Voilà, on est encore 8. Ça va pour l'instant. Alors, c'est bon, mute. Il va falloir que Ando se réveille tout à l'heure en tant qu'imposteur. Il a quand même fait du bon taf. Apparemment, il serait peut-être temps qu'il se réveille. Allez, Ando. On laisse Nino en vie qu'elle joue un peu quand même. Je ne tue pas Nino. Vite. Réacteur. Voilà. Ils sont tous à réacteur, je suppose. Ok, vous pouvez voter contre Ando, il vient de prendre une vent admin, il vient de faire le kill. Tu l'as vu? Ah oui, je l'ai vu tuer sauter dans la vent. Ah la tristesse. Par contre, je sais pas comment, et lui il m'a pas vu alors que j'étais en train de faire la carte à droite de admin. Je t'explique. Vas-y Ando. J'étais persuadé que t'étais en train de faire ta tâche, et donc du coup que t'avais l'écran pris quoi. Mais c'est comme ça que tu te défends? Il s'est même pas défendu. Alors on recommence, on rembobine, on met la cassette, on met le crayon, on rembobine un peu. Voilà, Ando, défends-toi. Bon, t'en fous. Tu es un menteur. Voilà. Ok, d'accord. On va remonter plus loin dans le temps, on va recommencer la partie. Je suis coincé dans les caméras. Là, j'ai mal pour ton pote imposteur en fait. J'avoue que là, c'est dur. Ton pote, il comptait sur toi pour que tu mentes, mais comme jamais t'as menti de ta vie, et là, t'es là, tu te dis, ouais, c'est moi. Je suis un mauvais imposteur.
ton pote en PLS, quoi. Bah, en vrai, là où t'as... Enfin, t'aurais dû me buter moi, en fait. Sinon, si jamais Nitrox, il est safe. Ah, attends, Nitrox est safe, vas-y. On a fait les réacteurs 2. Bah, ça veut pas dire qu'il est safe, ça peut peut-être dire qu'il a fait le réacteur. Moi, je dirais que t'as les réacteurs pour faire ma mission réacteur. Et il y avait les réacteurs, donc... Il l'attendait, hein, genre vraiment, il était là à attendre. Oui, mais et... On était que deux, on était vraiment que deux. Ça si d'accord, mais tuer, ça peut être une stratégie. Mais après, oui, enfin, on peut prendre cet argument de défense. Le problème, c'est que, genre, j'aurais pas remis un sens dans le sens où je suis direct allé dans le réacteur. Mm. Non, il était là en premier et, genre, vraiment, il m'a attendu et on a rien fait. Non, je suis sûr que c'est lui. Ah, pendant ce temps, Ando tente de voter Imra. Comment ? Ando et Jake, vous êtes partis du même côté que moi, là, vers navigation, tout ça. Le meurtre, il a eu lieu où ? Il a eu lieu où ? Il était à admin. Là où il y a le download et tout. Download et lec. Enfin, moi, là, j'étais en train de me diriger vers réacteur quand ça s'est fini, en fait. Le temps que je fasse toute la map, l'alerte a été terminée. De toute façon, le kill là, c'est sûr, c'est Ando, je l'ai vu. Ça, c'est Nitrox, faut voter. Si tu veux voter, sinon. Non, mais moi j'ai le lag ou genre. J'ai le bug ou. Bah, ça m'affiche pas l'écran de vote en fait. Ah merde. Eh bien, en attendant, on a une minute. Je suis coincé dans les cams. Ton promo, moi, j'ai acheté des petits pains d'épices là, c'est pas piqué des hannetons, ma foi. Ça me rappelle Noël. Mais sinon, moi j'ai un scan. Hein. Ah, c'est intéressant à savoir. Donc, tu vois, il te reste un scan à faire, c'est ça hein? Ouais, exactement. J'ai attendu. D'accord. Eh bien, ok. T'as pas voté, Nitrox, d'ailleurs? J'ai peut-être pas mais entendu. Mais c'est ce qu'il vient de dire, en fait. Il a un bug d'écran de vote, il peut pas voter. C'est dommage, ça. Sinon, sur les 20 dernières secondes, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Imra, à la chaîne de Nino, qui sont actuellement en stream, et à la chaîne d'Ivasun Studio, qui stream également. Voilà. Oui. J'aime l'argent. Moi non. Vous trouvez pas que la partie quand même beaucoup plus calme maintenant que Elliot est décédé? Bah c'est tout le temps comme ça. Hein. Vraiment, bah, quand vous êtes imposteur, ciblez Elliot en premier puis Nitrox en deuxième. Hein. C'était pas moi. Ando. Franchement, cette technique de défense quoi. C'était pas moi. T'étais AFK? T'étais au cinéma? Allez, c'est parti, nous allons voir un med scan. Nous sommes mutes sur... Je me prends la porte, oh, quel con. Je tiens juste à préciser que du coup, bah, ça m'a fait spawn dans les câbles. Il aurait pas dû parler, c'est pas RP. Boum, 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 boum. Comment tu veux que je bosse dans moi? Que je fasse des kills? C'est pas possible. Bien, tout le monde a à peu près. Mais. Sérieusement? Je suis mute pour Discord, okay. Ils ne m'entendent pas, mais je sais pas comment. J'aimerais savoir vos positions des dernières secondes. Bah là on était à 3 avec Jake et Nino, je crois. Ouais, et la porte s'est fermée sur notre nez et quelqu'un vient de passer à travers. Donc. Moi je pense pas que ce soit français, du coup, vu qu'il était avec moi. Enfin, on est parti de l'autre avec moi, mais je save pas. Hein. Bah du coup, c'est coup, tranquille en fait. Le kill est à l'admin. Ah ouais. On était à la mission oxygène en fait. On était nombreux à oxygène. Donc en fait, qui est parti en dernier de l'oxygène admin? Tu peux me permettre un truc s'il vous plaît? Non. Mm-hmm. C'est un bug. Oui. C'est quel corps qui a été recouvert, retrouvé? Le rouge. Ah c'est le rouge. C'est moi qui l'ai tué. Ah oh, merde, oh non. Donc, oh la game est buggée. Ah c'est moche. On va du coup parler les amis.
Alors attends, donc attends, donc là c'est le corps rouge qui a été tué la partie d'avant qui n'a pas des pop, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est un bug. Désolé pour mon coéquipier, je préfère être honnête et faire une partie fair play quoi. Du coup, c'est Elliot, mais c'est. Donc c'est le cadavre de la session d'avant et bah, écoutez que l'enquête. Il soit là, y a pas le seul truc c'est que ça nique le CD du tueur du coup là, il reste sur 30 secondes. Ouais. Bah, soit c'est du skip, soit il faut continuer à enquêter. Skip, vas-y, non, skip. Bon, on va pas enquêter sur un cadavre la game d'avant. C'est ça, il y a aucun. Mais enquête. La justice, Torren. Ouais, bah t'es pas paladin. Allez. Je suis paladin. La lumière. La lumière sacrée, comme dirait Uther. Exactement. Allez, on se remumute. Putain, mais. Alors, pour info, je le dis régulièrement, mais je joue que à la souris. Je ne suis pas clavier-souris. C'est pour ça que je me prends tous ces murs, ces angles de murs là. Ok, il y a Français qui est là. J'ai pas envie de les tuer. Toto, il est là. Faut que je tue Nitrox. Salut! Une alarme aux deux comme ça. Merde, j'ai pas eu le temps. Ok les gars, cette fois-ci c'est un vrai kill. Bah en effet, il m'aurait été vivant tout à l'heure. Vous étiez où? Alors je suis rentré là où il y avait les lights, il y avait Nino et Français. Et j'ai vu Jake partir et la porte au moment où il est parti, elle s'est verrouillée, ça me fait rire. C'est vrai. Je m'attendais à retrouver un cadavre du coup dedans, mais non. Du coup, il reste Français. Alors, moi je vous. Attends. Vas-y, finis ton argumentaire, Nitrox. Moi, je vais vous expliquer mon parcours. J'étais admin. Et j'ai vu un bonhomme rester caméra. Je suis allé caméra. Je me suis dit que c'était une bête. Et au final, c'était un cadavre. Est-ce que vous avez. Quand vous avez vu les lights s'éteindre? Enfin, je sais pas. Hein? Et non, mais est-ce que quand vous êtes passé pour aller aux lights, vous avez vu les caméras ouvertes? C'est assez compliqué, mais... Je comprends pas ce que tu veux dire, tu m'excuseras. Non, attends. Parler avec des mots, en fait. Non, mais attends. Reprends ta respiration, essaie vraiment d'expliquer ce que t'es en train de dire, parce que ça peut être intéressant. J'allais demander si vous avez vu les cams allumées pendant les dernières secondes, mais vu qu'il y avait plus les lights, bah voilà. D'accord, ok. C'est ok, très bien. Donc... Tu parlais de Français alias Aerox ici sur Discord, donc Aerox, vas-y, tu as la parole. En fait, je repars. Nolan, il m'a demandé de voir si on voyait son pet. Vera admin, je suis allé. Et non. Et là, il y a eu le rip du corps de Emma. D'accord. C'est quoi, alors, c'est quoi l'argument du pet, du petit familier, c'est un skin, mais c'est quoi en fait? On peut voir un truc en particulier avec? En fait, le pet... il reste au sol quand tu meurs. Même après que le cadavre ne soit plus là? Oui. D'accord. Ça te donne un indicateur où est le cadavre en fait. D'accord, je savais pas. Et là il y... Ok, d'accord. Et là il y a le... Est-ce que je peux savoir où était le cadavre? Il était au cam. Security? Oui. Ok. En train de regarder les cams. Vous avez rien? Non. Bah, une fois que je confirme que ouais, à l'électricité, à un moment donné, on était 3, puis ensuite très rapidement 4. Donc Français, Aerox, Nino, Torren et pour ma part. Je suis sorti, en effet, les portes se sont fermées sur sur mes fesses, et je suis ensuite parti vers Storage et j'allais remonter. Alors c'est faux, t'es parti à gauche? Non, je suis parti à droite. Il y a un petit demi-tour, vraiment en mode drift. Je suis resté devant la porte. Non mais, avec un petit drift de la 205 en mode nordiste, tu repars facilement. Non mais le problème c'est que moi quand j'étais à la map, il y avait quelqu'un lower engine.
Donc je sais pas qui est venu par là. Là, cherchez pas. Il a dit qu'il est parti storage. Je suis resté devant la porte quand elle s'est fermée. Oui, mais je suis réellement parti storage, mais je peux faire un petit demi-tour, Thoren. Tout le monde dit que j'ai des déplacements spéciaux comme à chaque fois. Je joue à la souris et pas au clavier. Ça m'a l'air désespéré. J'étais persuadé que personne m'avait vu partir à gauche. Donc faut tuer Thoren. Faut tuer Thoren. Excusez-moi, je voudrais passer. Oh putain, ils sont deux. Tiens, quand même. Je peux pas tuer le Aerox, il est tout seul, c'est, je viens d'être tout seul à remonter, ce serait étrange. Où est Nino? Les deux me suivent comme... Les deux me suivent, je peux rien faire. Là j'ai vraiment besoin que mon camarade imposteur qui est décédé me sabote avec moi. Là. Je peux rien faire. Oui, ils sont en train de penser que je suis en train de faire ça là. Merci Ando, tu m'aides. Les caméras sont allumées. Nino est là. Ah. J'ai vu. Mais Ando, en fait, ils sont tous... Vite, il me faut un O2 là, vite. O2, vite. Allez, on court. Allo, oui, bonjour. Alors, 10 000% c'est Jake, je pense. Et alors, je le répète, c'est le haut-parleur qui a la parole. Donc, je prends le haut-parleur et je prends la parole. Je viens d'arriver pour le petit bouton de l'alarme O2 à O2, justement. Nino était juste derrière moi et je sais pas pourquoi, bah, elle a kill en fait. Voilà. Je suis accusé directement. J'ai vu que le timer de O2 était très bas, donc j'ai couru vers O2. Je suis arrivé dans la salle de O2 et j'ai vu le cadavre. Et qui c'est qui était à côté du cadavre? Jake. Non, mais je suis sûr que c'est Jake, donc pas besoin de me convertir. Thoren, tu m'as vu un bon moment sur la table d'admin. Je te suspecte depuis le tour 1. Non, mais ça fait genre depuis le début. T'inquiète pas, tes mouvements sont ultra suspects. Mais oui, comme à chaque fois. Non, mais là, t'es grillé, genre c'est mort. Mais j'étais. Et là, vous m'avez vu, j'étais vraiment derrière Nitrox. Là, vraiment derrière Nitrox pour le coup. Bah non, là t'étais pas du tout derrière Nitrox, Nitrox vient de crever là. Je me suis juste arrêté une seconde, juste pour faire une mini tâche, c'est celle où tu dois cliquer pour tourner le truc à... À l'alarme O2 qui vient de se déclencher, je t'ai vu partir vraiment à l'admin. Donc j'étais vraiment derrière Nitrox. T'étais à l'admin. Je te jure. T'étais pas à O2. Tu lui demanderas après, tu lui demanderas. Mais dans la salle là vraiment, et même au niveau du chemin qu'on vient de faire, c'était vraiment, c'est Nino qui était sur mes fesses. Moi, mes doutes sont fondés depuis le tour 1. Avec... Oui, Jack, c'est dommage. Il m'a vengé. T'aurais pas dû. Et ça s'appelle le choc à pic. Non, mais de toute façon, je le savais. À chaque fois, je le suivais, Jack. Mais non, mais je maintiens que là, tu étais dans le bâtiment admin.
je maintiens que j'étais derrière Nitrox, tu peux lui demander. Oui, oui, il était derrière moi. Mais en fait, Thoren, j'avais peur de toi parce que t'arrêtais pas de me suivre, c'était énervant. Mais oui. J'étais sûr que t'étais après, innocent. Il y a Nino qui m'a suivi tout le round et je me suis fait harceler. Jake, il restait 3 secondes, Nino n'aurait pas eu le temps de le faire le code. Si, si. Je pense que sur les 3 dernières secondes, elle aurait largement eu le temps de report. Je pense. De rip... Ah merde, de report. Ouais. Et oui, de report, oui, pas de réparer. Ouais. Mais oui, le but c'était clairement bien, que personne répare. Ça... Tu veux avoir le verre, Nitrox, s'il te plaît. Merci. Est-ce que, monsieur le jeu, je ne peux ne pas être imposteur parce que je mentrais mal? Tu peux être gentil. Tu sais que tout à l'heure, quand j'étais fantôme, tout à l'heure, quand j'étais fantôme parce que je me suis fait tuer le premier round, là, quand t'as commencé à mentir, j'étais en mode aïe aïe aïe, il ment si mal. Mais j'aime bien être fantôme saboteur. L'alarme O2 s'est déclenchée pour une raison très précise. C'est juste que je venais de tuer quelqu'un à réacteur. Donc je suis désolé, Aerox. C'est moi qui ai déclenché l'alarme O2. On l'a déclenché en même temps alors. Ah ouais, bah, ouais. J'ai exprès déclenché à l'opposé. J'étais comme ça sur le bouton. Attends, du coup, il y a eu une vent pour le killcam. Pour le killcam. Oui, il y a eu vent, oui. Oui, non, mais je me suis bien dit que. Il y avait deux personnes cam. J'avais pas le choix. J'avais vraiment pas le choix. J'avais pas tilté parce que, genre, ça mettait qu'une personne au cam. Et après, il y a une autre personne qui s'est retournée au light. Donc, j'ai pas tilté parce que ça m'a pas réellement dit, en fait. Non, mais je déteste utiliser les ventes et moins je l'utilise, mieux c'est. Mais là, clairement, je savais très bien que j'avais pas d'autre choix que de l'utiliser. Bonne chance, hein. Bonne chance à tous. Bonne chance. Oh, mais sérieusement, c'est pas juste. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, quoi? Je pense qu'on va changer de map, c'est la dernière map partie avec cette map-là. Parce que là, c'est un peu compliqué. Eh, hey, Thoren, tu dégages. Putain. Alors, j'explique ce que j'ai vu. Alors, je viens de voir Jack kill Thoren juste devant moi et devant juste après Achille. J'ai vu la même chose, mais avec Nolan en fait. Donc, ce serait complètement con. Ça ferait 3 fois que je suis imposteur, ça ferait un peu gros. Oui, mais non. Mais non. Bon, après, avec le jeu. Non, après, ça, c'est quand même une excuse d'imposteur, je veux pas dire, mais. Et je vous dis, je suis arrivé, j'ai fait la carte, j'ai fait les files à storage, je suis remonté à admin pour passer ma carte, hop, je suis redescendu, parce que j'avais une mission à shield, je suis allé, hop, là je vois, je rentre, et là je voyais Jack, kill, puis aller dans une vente, puis aller je sais pas où, mais... Attends, par contre, t'es rentré? Rentré quoi? Donc c'est juste soit c'est juste un passage shield. C'est juste un passage. Non, j'avais une mission à shield. En gros, je suis allé à Achille et après je l'ai vu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un couloir quoi, genre. Ah oui, ouais. C'est pas une pièce apparente. Il y a une vente. Non, parce qu'elle a dit rentrer donc. Ouais. Voilà. C'est tout ce que j'allais dire parce que c'est la. En tout cas, la défense de Jake est assez plate. Je viens de donner ma défense. Encore plus plat que de l'eau, hein. Mais oui, mais en fait, ta défense, c'est la même que lui, donc. Bah oui. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Mais non, mais moi ce que je me dis, c'est si Jake, si ça serait pas toi, pourquoi t'aurais... Attends, parce que Nolan, pourquoi il aurait fait et il serait revenu pour report? Je pense pas que ça soit Jake. Mais non, mais il a pas 20 et après report ou tué. Non, le truc c'est que il l'a tué. Et après, il est monté, il a pris la grille, il a ouvert, il est tombé dedans, quoi. Parce que Sauf que, il m'a vu arriver en 2 secondes, et il a pas eu le temps de pas faire son passage de la grille. Ah, Elios, tu peux arrêter de toucher ton micro. Et juste avant que moi je clique sur report, il a report. Ah, ça fait un bruit quand j'appuie sur la touche. Je sais pas si ça s'entend beaucoup, alors, mais oui, moi, j'étais avec Aerox à l'admin, donc il m'a vu, il a regardé la carte, après je suis parti. T'es passé par où, Jake, pour arriver à... Bah, j'ai suivi
J'ai suivi Torrent de base jusqu'à communication. Je suis allé à communication. Lui, après, je sais pas trop où est-ce qu'il est allé. Quand j'ai fini communication, je suis ressorti. Et là, j'ai trouvé, il y avait un saucisson, un rôti, tout ce que vous voulez. Et c'était lui, quoi. Oh, c'est bizarre que tu saches pas où il est parce que tu l'as kill. Mais attends, t'as entendu ce que je viens de dire ? T'as pas vu Jake revenir des communications, du coup ? Non, je suis passé ma carte et après je suis descendu à communication et là je viens de le voir kill. À l'instant. Mais écoutez, moi j'ai voté Jake. Moi c'est Jake. Je me dis c'est Jake. Croyez-moi pas, croyez-moi. Croyez-le ou moi, c'est Jake. Alors moi j'ai voté Nolan parce que généralement les imposteurs veulent report à tout prix le corps avant l'innocent et accuser l'innocent. Moi je me dis que. S'il aurait la peine, il n'aurait pas report. Je pense qu'il m'a pas vu sur le coup, mais il est parti. À droite. Au départ, on était 4 à droite. Il y a Nino qui était avec moi, il y a Jake et Terran qui sont descendus. Et comme par hasard, sous les deux, il n'y a plus qu'un qui est en haut. Je vous laisse, je vote pas. Allez, Jake. Oh non. Yes. Let's go, bien joué. On a mis la posture. Moi, je pensais Jake et Descom. Vous savez qui votait après? Ouais, ce sont mes derniers mots, mes dernières volontés. J'ai tellement mal joué. Alors, je précise, je suis de nouveau mute pour Discord. J'ai très 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 mal joué. Et même en termes d'argumentation, qu'est-ce que tu voulais que je fasse là? Là, clairement, c'était hyper compliqué. Hein. Du coup, un petit peu d'électricité. J'espère qu'Ando s'en sortira mieux que moi et surtout mieux que la partie d'avant. Parce que là, c'est dur, hein. Ah, mais il y a déjà Toto qui est mort, là. Ah, mais oui, c'est le... Je suis bête, c'est moi qui l'ai tué. Attends, je t'aide. Ah, je t'ai pas aidé, en fait. Pas du tout. Je suis désolé. J'handicape mon partenaire, mais je suis tellement nul. Je sais pas quoi faire pour l'aider. Allez, un petit coup de deux. Il est parti où? Ah, il a réussi à tuer. Bah, la pauvre Nino a tout de suite jeté le pauvre Le Français, du coup, AO2 en pâture. Et non, mais Le Français, moi je venais de le voir. Il a dit, il y a 15 secondes, je viens de le voir. Je peux me défendre. C'est totalement la situation inverse. Il y a eu l'alerte AO2, je suis arrivé sur AO2 et Ando a self-report. Parce qu'il m'a vu arriver de faire mode panique, le bouton. Bien sûr, c'est facile ça. Et autre petit argument en ma faveur, Nitrox, je t'ai suivi un moment, je t'ai perdu en bas, je sais plus où c'est perdu vers l'extérieur. Moi j'ai été voir s'il y avait quelqu'un avec Rico, ou c'était un cadavre. Safe, donc voilà. Pareil, je rappelle que plusieurs personnes m'ont vu me cogner la tête contre la porte électrique. Oui, alors tu n'es pas un Stormtrooper, par contre, évitez de vous couper la parole, Nino était en train de parler. Écoute, j'ai fini, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? Pour moi, voilà ce qui s'est passé, je suis arrivé à O2 pour l'alerte, Ando était en mode panique, il la reporte. Moi, je tiens à dire quelque chose, c'est que en vrai, je pense pas que ça soit Nino, parce que Nino... J'étais sur la vente parce que le download à Electric, c'est sur la vente. Elle aurait pu me fumer, mais à un point. Okay, personne n'aurait pu. Soit pour CD. Non, mais attends. Déjà parce que c'était Jake. Déjà, c'est Jake. Parce que sinon, Nolan.
Non, là, tu serais pas mort. J'ai 100% confiance en Jake. Mais Nolan est mort. On l'a tué. Donc c'est Jake. On l'a tué ? Qui ? Toi et qui ? Mais on l'a pas voté, Nolan. Ouais, non, mais attendez, voter c'est un... Nitrox, ça va, attendez. Hein, mais... Non, mais attendez, c'est un truc de ouf là par contre. Bonjour. C'est hard. Ando, il s'en bâtit, Ando, il s'en sort bien. Il s'en sort vraiment bien. Avant que ça buzz, voilà, c'est bon, il a compris. Un petit coup de réacteur. Je peux pas fermer les portes là, j'aurais bien voulu l'aider, mais. En deux, t'es tout seul là, c'est pas bon. T'es où? Oh là là, il y a du buzz. Non mais alors du coup, c'était Jake. C'est Elliot qui a buzz. C'est Elliot qui a buzz. Nitrox au cachot. Mais pourquoi au cachot? Je t'explique. Donc il restait deux imposteurs vu que personne n'a été éliminé durant toute la partie. On a eu de la chance, c'était Nino l'imposteur. Mais attends, deux secondes. Non. Parce que c'était Nino l'imposteur. Désolé Nino. Encore une fois, t'as sauté, mais je voulais pas te voter toi en premier. Il y a une seule personne qui a défendu Nino en disant « Ouais, c'est pas elle, parce qu'elle était sur la fin, ou je sais pas quoi, ça aurait pu être Ando. » Donc ça veut dire que vu que Nino est morte et que nous avons pas perdu, Ando avait raison. Mais... Donc ce n'est pas Ando. Moi je sais que c'est pas moi vu que j'ai fait les astéroïdes, et d'ailleurs je me suis arrêté à 10 astéroïdes cassés pour avoir ma preuve. Et la seule personne qui a défendu Nino était Nino. Attendez, parce que en fait le problème c'est que Jake il a favorisé le 50-50. Donc pour moi c'était lui. Et en plus, là le problème c'est que Nino en fait il y avait rien réellement contre elle. Alors que Jake, il y avait quelqu'un qui l'a vu vent et qui. Et c'était Nolan. Et vu que les deux sont morts, c'était forcément l'un des deux. Donc pour moi, ce n'était pas Nino. Je suis logique. C'est toi qui as affirmé que Jake avait tué Vent. Bah c'était entre vous deux le truc. Donc j'ai affirmé donc que c'était Jake... pas Nolan. Mais non mais j'ai affirmé mais non mais votez pas maintenant, on a perdu là. On a 110 secondes, vous avez un instant de voter, on a perdu en fait. Nitrox, tu te calmes, tu prends ta respiration, c'est un jeu. Donc tu as un argumentaire, t'essayes de le faire le mieux possible mais sans t'énerver parce que sinon ça te discrédite. C'est aussi le but de ces streams-là, c'est vraiment d'apprendre à maîtriser tout ça. Donc respire un coup, c'est un jeu, oui, mais... vraiment, c'est comme si c'était un entretien devant ton futur patron, explique mieux. Non mais je déconne pas quand je dis ça, explique mieux et vraiment essaye de mieux t'exprimer, c'est très compliqué, mais ces exercices sont là pour ça. Donc là je te le dis, je entends vraiment totalement hors jeu, je considère que tu n'es ni imposteur ni crewmate, hors jeu de comme ça. Maîtrise mieux ta voix. Du coup, pour moi, c'était Jake, car il y avait Nolan qui l'accusait, et vu que les deux sont morts, c'est forcément l'un des deux, en fait. Il n'y a pas d'autre moyen que ça soit pas l'un des deux. Mais vu qu'ils ont dit qu'ils ont vu Vent l'autre. Ça fait très longtemps que Nolan a été tué, il n'y a pas eu double kill, donc pour moi, c'était Jake. Ça fait très longtemps que je joue avec Jake et genre depuis qu'il a annoncé cette mini-mission et qu'il parle de plus en plus, j'écoute le ton de voix des gens et tout ça, comme moi je disais je vais pas vous mentir et je vais vous dire la vérité. Et t'as dit un mot juste pour ça qui a validé mes soupçons, c'est on les a tués, t'as dit. Et donc je t'ai dit, toi avec qui? Et là t'as changé de sujet. Je pense que sans faire exprès sous le coup de tout ça, t'as dit on parce que toi tu l'avais tué avec. Sûrement. Et bon, ce sont mes propos. Moi, je t'ai voté parce que je te trouve opportuniste. Et t'es tout le temps opportuniste quand t'es killer. Moi, j'ai mes astéroïdes. Hein. Venez me voir après si vous si égalité. Et voilà, on a perdu. Bien joué à tous. Voilà, commence. Nitrox. GG. Alors, je tiens à préciser que je n'ai pas utilisé de 50-50, mais l'appel à un ami, s'il vous plaît. Et Jean-Pierre, la question à 1 million approche. RP.
RP, roleplay, soyez roleplay, soyez dans vos rôles, comme je le dis souvent. Donc quand on est sur Discord, en partie, comme ça, hors période de débat, les gens doivent se mettre. Donc là, par exemple, les gens ne m'entendent pas, et de toute façon, je suis mort, donc ils sont pas censés m'entendre. Néanmoins, je n'hésite pas à prendre la parole, même en tant que mort, pour modérer un peu ces débats et les conseiller sur la maîtrise de la voix, le débat, l'argumentation, parce que c'est important. Et pour ceux qui débarquent, j'insiste, ce jeu Among Us est génial pour maîtriser tout Bravo ça. Bravo, Jake. C'est vraiment un super, super outil. Elliot, t'es trop nul. Ludique et compagnie. Elliot, voilà, pour une fois, t'étais complètement à côté de la plaque. Il faut que t'arrêtes de parler autant, Nitrox, hein, je te jure. Mais non, mais... Tu te tues tout seul non, non, Nitrox avait vraiment la meilleure... Non, en fait, là, vous êtes tué tout seul parce que c'est pas logique. Genre, Nino a dit, oui, nanana, Ando, ouais, Ando m'a... à celle qui porte. Vous avez tué Nino, vous avez jamais retourné sur Ando. Mais genre, en fait, c'était de la pure logique ce que j'ai fait. Parce qu'il y avait Jake et Nolan qui s'accusaient. Les deux sont morts, Nolan a été assassiné. Donc, c'était forcément Jake. Et personne n'a tilté. Il y a tout le monde qui est resté sur la vie base. C'est moi, parce que voilà. Pour moi, je sais pas pourquoi, mais je sentais Jake innocent. Du coup, pour moi, Jake était innocent. Donc, voilà. Donc déjà, de base, c'était mal parti. Donc pour moi, il restait deux imposteurs. Et quand Nino est morte... Pour moi, il restait deux imposteurs. Et vu qu'elle n'est pas morte, je me suis dit, bah, tiens, mais du coup, vu qu'on n'a pas perdu, eh ben, Ando disait vrai, du coup, Ando est innocent aussi. C'est comme ça que j'ai raisonné. Allez, Ton raisonnement n'est pas bon du fait que, effectivement, comme disait Nitrox, vu qu'il y avait un duel entre Nolan et Jack, et qu'à la fin, les deux se sont retrouvés tous les deux morts, ça veut dire qu'il n'y avait forcément un des deux qui. J'avais pas entendu le dilemme. Hein et oui, c'était tout début. Et après, justement, encore une fois, où ça s'est passé la même chose, c'est passé la même chose, encore une fois, entre Nino et moi. Donc c'était forcément soit Nino, soit moi. Pourquoi tu m'en as quitté ? On change de carte, je suppose ? Oui. Moi, je vais nous deux games, les... je pense encore, après, je dois laisser. Mais de toute manière, dans une demi-heure, on arrête. Alors, le code. V comme Valérie, D comme Dominique, V comme Valérie, E comme Emeline. J comme Jeanne et F comme Françoise. V, D, F, E, J, F, V, D, F, V, D, V, pardon, V, D, V, V, D, V, V, D, V, E, J, F. Oui, j'ai des problèmes avec les F et les V. Pardon, je n'écoutais pas, vous pouvez répéter. V, D, V, E, J, F. V, D, V ? Oui, V, D, V, comme vie dans le Vaucluse. EJF. Je sais pas. Incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arrêtez de bouger. 9, c'est bon, c'est écrit en bas. Ah oui, pardon. Ah ouais, voilà. Quoi, c'est incroyable. Papy Jack, on a passé les lunettes. Voilà, papy. Par rapport à cette map, alors c'est la map de qui c'est la terrasse en haut des deux immeubles là, parce que celle que je pensais c'était un avion en fait dans le lore, ce sont deux immeubles. Donc c'est la map qu'Eliot aime bien. Est-ce que vous pensez qu'en termes de tâches c'est bon? Oui. Ouais. Hein. Ouais. Ouais. C'est absurde. Ouais. Après. Bah en fait cette map vu qu'il y a beaucoup de détours à faire en vrai je sais pas. Enfin, mais au cœur, on fait une game test. Allez, ouais, c'est parti. C'est ça. Je vous propose de commencer. Avec plaisir, Jake. Let's go. Amusez-vous bien. Et allumez votre cerveau. Il est rigolo. Je le prends personnellement, ça. Hein. Mais non, mais j'ai fait exprès de changer de map pour changer la RNG, le random choix imposteur, pas imposteur. Et qu'est-ce que je me retrouve? Imposteur. Non, mais sérieusement. C'est de la triche. Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis pas bon en imposteur. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc qui on pourrait accuser là?
C'est intéressant, ça. Je suis dans le couloir. On voit qu'il y a les vitres. Je passe ici, dans la salle, c'est une salle avec les vitres teintées. Ça veut dire qu'on ne voit pas. Mais on voit ici, c'est super intéressant. Je retiens. Excusez-moi, je voudrais ouvrir la porte. Je vais ouvrir la porte, merci. Pour le chat, oui, le jeu s'appelle Among Us. Il est à 4€ sur Steam. Il coûte quasi rien. Et il est super chouette. Alors. Je pense que le kill a été fait très 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 tôt dans la partie. Donc je pense que ça va être un peu difficile. Mais grosso modo, j'ai trouvé le corps de Nitrox donc dans le med. J'étais en train de descendre pour aller justement au spawn parce que ma mission là de tout début, là où il faut appuyer sur le barre espace, était presque finie. Donc j'étais en train de descendre. Donc je passe devant le med et je fais « Oh tiens, il y a un petit rotivert ». Donc je remonte et je reporte. De ce que j'ai vu, et la seule chose que j'ai vu du coup, c'est que Jack était juste derrière moi. Je crois, oui. Parce que quand je suis remonté, il était juste après moi. C'est ça. Et juste avant, bah, j'étais dans le tunnel de décontamination avec Torren et Nino, je crois. C'est ça. Et vous m'avez fermé la porte au nez. Je suppose que du coup, ça pouvait pas être eux non plus, vu qu'ils sont allés dans une autre direction. Mais je pense vraiment que ça sert à rien, parce que de toute façon, à mon avis, le cadavre a été là depuis bien plus longtemps. Le truc, c'est que quand il y a eu l'alarme, nous sommes montés à 7, et du coup, il restait 2 personnes dehors, dont la personne qui vient de mourir. Okay. Est-ce que tu te rappelles de qui était avant? Ou qui est l'autre? Je me rappelle avoir vu en haut avec moi Nino, Ando, Imra, Torren. J'ai vu aussi. Donc ouais, je suppose. C'est moi, c'est mon pistolet, il est tombé, il a marché. Et Nolan qui est parti sur la gauche. T'as dit quoi? Ton pistolet est tombé. Il est tombé, il a eu une balle dans la tête. Il a marché tout simple exprès et il a pris la balle dans la tête. Non, mais votez pas pour moi, hein, c'est pas moi. Vraiment. C'est juste une blague. Hein. Non, Jake, Jake. Ah bah écoute, hein. Jay, c'était pour la boutade. Hein, je prends ton argumentation telle quelle, au premier degré, voilà. Alors, je suis le mauvais exemple du jeu pour cette partie. J'étais au spawn, et là, d'un coup, il y a les réacteurs qui s'activent direct. Et là, il y a tout le monde qui part à gauche. Donc je me suis dit, bon, mais pas la peine d'y aller, il y a tout le monde qui va à gauche, sachant que je n'avais pas encore de mission en haut à gauche, au réacteur. Mm. Donc je vais à l'office, je fais mon code de la carte, je descends cafette, je croise Imra. J'étais à la cafette, j'ai croisé Imra. Je prends mon petit lait fruité goût fraise au distributeur. N'est-ce pas? Après, je fais mes câbles en dessous, là où il y a l'arrosoir. Je monte prendre mon arrosoir. Je remonte tranquillou en sifflotant, arroser mes plantes. Et là, en redescendant tranquillement, le corps a été reporté. Donc voilà quoi. Je me rappelle pas avoir vu Imra en haut dans le réacteur. Et j'ai croisé Imra qui redescendait de la serre. Et moi, quand j'y suis monté, lui redescend. Bien après, hein. Parce qu'en fait, tu es allé direct à droite. J'ai fait le distributeur à droite où j'ai fait ma commande B1, c'est cire, je crois, la boisson. Je sais pas moi, c'était A1, c'était le jus de fraise. Oui, mais c'est pas forcément le même, hein, pour tout le monde. D'accord. Et après, moi, je suis remonté admin, j'ai fait des missions. Il y avait la carte et shield, enfin, l'espèce de truc rouge là, cliqué. Après, je suis monté à la serre où j'avais encore une mission. Et après, je suis redescendu. Et c'est là où j'ai croisé Nino et Torren. Et tu après m'as croisé moi juste avant. Et là, ça a buzzé. Oui, non, mais nous, on s'est croisés dans le couloir de droite, cafette vers en haut. Mais comme tu l'as dit avant, je ne l'ai pas répété. Mais j'ai vu une petite goutte de sang tomber de la poche de d'Imra quand même. Bah, c'est peut-être un vampire. Ouais, il m'arrive avec la terre. Je ne porte pas très bien, moi. Il va y avoir des écoulements nasaux. Hein. Elle est pas mal, ça. C'est bon, je suis mis Discord. C'est pratique, ils s'accusent entre eux. Du coup, là, s'ils s'accusent entre eux, il faut laisser un des deux en vie. Comme ça nous fait une personne à accuser forcément. Tu le Nolan, je te le laisse. Le corps est juste avant le sas de décontamination.
en bas. Qui est passé par là? Parce que moi j'ai que Descom, donc Elliot qui est arrivé avec moi pour faire les trucs là. Déjà moi je peux innocenter Nino, elle n'était pas du tout de ce côté là. Derrière toi. Oh, t'es arrivé tard Elliot hein. J'ai l'impression qu'on joue une game juste à deux, Imra, j'ai l'impression je croise que toi dans le jeu. Non mais c'est ça, mais par contre pourquoi est-ce que t'es arrivé aussi late? Est-ce que t'as pas buté quelqu'un avant de prendre non, le sas bah, pour rejoindre pour appeler main? J'ai fait les câbles juste devant le sas et après je suis monté pour te rejoindre. Et t'as pas vu le cadavre du coup? Les cadavres étaient différents. Non, il y avait pas de cadavre, c'est-à-dire que je suis monté, il a dû être fait juste après. Perso, moi, j'ai vu partir en bas Imra, après j'ai plus vu. Attends, ça veut dire que... Parce que j'étais le premier sur le truc en haut, j'aurais pas pu tuer en bas, si c'est avant le sas, c'est impossible. Quelqu'un d'autre était avec Torren là, maintenant, à côté du corps? J'étais avec Nino. Nino, tu confirmes? J'étais avec Torren. En fait, on était en haut, moi j'ai mis un de ces temps à faire la task avec la carte où tu dois taper ton code là. Je comprenais pas. Du coup, après il y a eu l'alarme réacteur, je suis descendu pour aller jusqu'au réacteur, j'ai croisé Nino, qui me suivait du coup, vu qu'on y allait ensemble, et on arrivait devant ça, c'est y avait le corps, tous les deux. Et okay. Moi, avant ça, j'étais avec le petit français, avec Irox, qui est en train de regarder ce qu'il faisait, il a l'air plutôt bon. Donc, tu me la fais pas à l'envers. Non, c'est pas genre tu la kills juste avant de prendre le sas et de me rejoindre. Non, pas du tout. Alors, le timing correspond, hein, vraiment. Mes hypothèses à moi, c'est stop, que... Stop. Ando. Déjà l'imposteur... Attends, il y a... C'est bon. Il est Tseko. Pardon c'est Ando, il était mort. Ah, t'étais déjà mort, pardon, je croyais que t'as crash de partie. Il était déjà mort. Normalement, du coup, le corps... Enfin, le kill vient d'être fait. Du coup, l'imposteur est 100% dans la vente. Soit le corps, le kill est 100% dans la vente, soit c'est toi et moi qui me brain. Ça, je vais pas aimer. Hein. Parce que, en soi, le temps que moi je passe de décontamination en haut. Après, il en reste deux, hein, l'imposteur. C'était en haut en premier. Tu te dis ça, mec. T'as le temps de genre de vente d'en haut à droite du réacteur, de passer en bas, de tuer le mec au début du réacteur. Attends, le corps était à l'intérieur du... Non, il était en bas, avant la porte. J'étais au truc avant toi, j'attendais limite sur la main que quelqu'un arrive. C'est vrai que t'attendais devant la porte, donc le temps que tu prennes la veine, que tu reviennes, c'est un peu compliqué. Donc je pense pas que ça soit toi et je pense pas que ça soit moi. Après, le mec il dit, il pense pas que ce soit lui-même quand même. Il y en a deux, hein. Pas que ce soit moi. Juste, Imra, t'as voté qui? Moi j'ai voté bien, le timing est suspect, je peux me tromper. Vraiment. D'accord. Torren, t'as voté qui? Ensemble, tu verras. Tu me votes. Nino, t'as voté qui? Je suis sur Elliot. Franchement, vous êtes pas cool. Juste pour vous. Par contre, Torren et Nino, vous êtes tombés sur le cadavre ensemble en même temps. Une seconde d'intervalle. Je me dis, c'est qui est arrivé en premier entre vous deux? C'est moi, je suis arrivé en premier. Ouais. Y'a que Elia qui a pu passer. J'ai pris ça, je suis monté dès qu'il y a eu le truc, j'étais en haut. Le seul qui a pu prendre le sas après, c'est Elliot, et il aurait forcément vu le cadavre. Bah, c'est évident. Ou alors je suis débile, quelqu'un a pris une vente et. Ce qui est possible aussi. C'est plus compliqué que ça, ce kill en fait, mais ils le savent pas. Compréhensible, mais je peux pas dire que t'es débile, mais c'est compréhensible, mais c'était pas moi. Et pas rassurer tout ça. Ne le tue pas Nola, ne tue personne. C'est bon, Nolan, tu peux tuer. Je te laisse tranquille. Si t'es tout seul, t'es bien. Même d'un coup. C'est fait. Oh yes. Bonjour. Voilà. Je te déteste Nolan. Non parce que moi je pars avec Nolan parce que Jake m'a vu. Moi je vais faire mon scan tranquillement. Je cancel mon scan parce que voilà, il y a que Nolan qui m'a vu et il me instant kill. Et vu que c'était Jake le seul qui m'a vu. Et que c'était l'imposteur, et ben il a pas souligné Nolan, et du coup, bah voilà. Est-ce que... Moi je suis un connard, je connais pas la map, et du coup j'étais dans une impasse. Mais oui. C'est très drôle ça, dis donc. Est-ce que j'aurais été bête pour faire ça, franchement? Oui. Bah, sur un timing, honnêtement, tu tentais hein, sur la map là, c'est chaud. Hein.
Non. Alors, moi, juste pour vous expliquer, parce que clairement, ça nous arrangeait que vous vous accusiez tous les deux, on était tranquilles. Pour vous expliquer ce qui s'est passé. Je vous écoutais juste. Pour ce qui s'est passé, on a déclenché l'alarme. Vous êtes deux à être montés, mais légèrement en intervalle. Juste en suivant, il y a la personne qu'on a, qui malheureusement est décédée malencontreusement hein, par accident. Et j'étais avec mon copain imposteur juste à ce moment-là. On kill, on passe le sas, ça se ferme, personne ne nous voit. Et là, le corps a été report juste derrière. Donc, personne n'a vu les deux imposteurs passer à ce moment-là. Les deux seuls qui pouvaient être accusés, c'est ceux qui étaient déjà dans le réacteur. Bah c'est ça. Ah, la chance du timing. Jack, moi je l'ai laissé faire les sabotages. Par contre, ça devient saoulant quoi. Genre, Jake il était imposteur 6 fois. Oui, c'est chiant, oui. Il est tout le temps là. J'ai changé la map. J'ai changé la map. J'ai changé la map volontairement pour changer la RNG et au final, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ton signe astrologique c'est imposteur en fait. Ouais, je pense que la prochaine chronique podcast astrologie qu'on va faire, il y aura de l'imposteur, du crewmate, enfin on va trouver un truc parce que là ça pose problème. Hein. Je pense que là, la prochaine game, il faut commencer tout de suite par accuser Jake en fait. Ne faites pas ça, quand ça arrive comme ça, je suis jamais imposteur. Ne faites pas ça. L'avenir ne le dira, écoute. Je m'en fiche, je suis pas sauté. Où est ma bonne étoile ? Premier tour. Jake, c'était imposteur, mais voilà. C'est plus la lune, hein, de l'imposteur avec tout. Désolé Thoren, mais tu vois qu'il y a un petit homme blanc type éminé dans une impasse, le loup-garou saute dessus. Je ne suis pas un imposteur. Ouais, à d'autres. Je le crie bien fort. On sait jamais. C'est pas RP. Allez, une minute d'attente pour la tortue. Qui c'est qui reste? Nino, Descom, ok, Ando. Je sais pas si j'ai des tâches visuelles réellement. Admin. Nitrox, il est là. Ah bah tiens, on va faire des câbles. Ça, ce sera fait. J'aime pas du tout les câbles en fait. Mais vraiment pas. Les lights. Allons réparer les lights. Y'a personne dessus, y'a que moi. Bon bah dans ce cas, que la lumière soit. Téléchargement, c'est parti. Je suis con, moi. J'annule mon propre téléchargement, sérieusement. Il y aurait la fibre, ça serait pas très grave, mais c'est pas le cas. On est encore en 56K hein, sur le jeu. Voilà. Bon, j'exagère. Il y a quoi là-haut? Ah, il y a rien, puisqu'il y a un corps qui a été report. Alors, le corps est en bas à droite, mais je sais pas du tout comment ça s'appelle. Alors, il y a en bas à droite, c'est cafétéria ou la terrasse avec les astéroïdes. Est-ce que tu peux décrire le décor? Table. D'accord, cafétéria. La terrasse, c'est quoi la terrasse? Ben, la terrasse, c'est le balcon avec les astéroïdes. Ah, c'est ça la terrasse? Oui. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ou t'as vraiment... Je me baladais, j'ai vu un cadavre violet. Ok, moi je pense innocenter tout de suite le français parce qu'on était tous les deux dans le réacteur, on est descendu dans une zone de contamination et après on était dans le couloir juste à côté, donc je pense. Enfin, je l'ai. Moi je pose une question. T'es passé par où pour descendre? Parce que non mais c'est une question. Hein. Parce que moi je t'ai pas vu avec le français en fait quand t'es descendu. Descendu. J'ai mis un peu. J'avais trois quêtes. Non, parce que t'es monté avec moi. Dans les premiers. Moi, je suis arrivé un peu en retard parce que j'ai fait les filles. Après, je suis arrivé en haut. Je t'ai cherché, il n'y avait que le français. À gauche, j'ai fait le pad, là, 1, 2, 3, 4, 5, là. Et tu sais, il faut juste monter un truc, là, pour l'électricité. Ok, non, mais d'accord, mais c'était juste une question parce que je t'ai pas vu ressortir et j'étais à la porte. Donc voilà, c'est une question. Quête un peu plus haut, je sais plus. Attendez, Aerox parle. Dis Aerox à ton tour. Ah. Pas du tout. Et après. On t'entend pas. Hein. Pas chaque fois, il y a Aerox. Est-ce que tu peux demander à ton frère de faire la traduction? Ou écrire à la limite, ça se fait. Ou il y a. Ouais, écrire. Ouais, écris Aerox. En gros, il y a Ando. Vas-y. Il est. Il a passé la porte du sas, donc Nitrox, chute.
Et quand j'ai voulu sortir de la pièce droite, là, t'étais sur le chemin pour rentrer. En fait, non, t'as fait demi-tour quand je suis sorti. Mais oui, mais bon, en fait, à la base, je cherchais juste Endo, en fait. Mais du coup, il est sorti quand les lettres se sont coupées. Donc moi, je vois pas comment tu l'aurais eu, en fait. Non, je l'ai après. Hein. Je l'ai vu. Les lettres étaient déjà réparées quand je suis sorti. Bon, ok, tenez pas compte de mon argument, mais voilà. Et quelqu'un peut dire ce qui vient de se passer là ? Attends, Brand, du coup, Endo, t'étais où là ? T'étais où actuellement ? Actuellement. Oh putain, je suis perdu maintenant. Je crois que j'étais dans le début du couloir. Tu crois ? Gauche. Oh, bah, je sais plus maintenant, mais j'étais en train de remonter justement vers. En direction. Ok, mais je vais laisser les autres parler parce que voilà. J'étais à gauche. Bah, moi perso, j'ai juste croisé un corps, donc j'ai rien à dire en final. Vous venez de faire passer mon cerveau d'un puzzle de 10 pièces à 1000 pièces, là. Ça, j'ai rien compris. Non, 10 000. Vient de se passer. Mais vraiment, rien compris. Si vous vouliez mélanger tout le monde, là, c'est gagné. Ouais. En gros, le français et moi étaient ensemble à réacteur, donc à l'opposé de la cafétéria. Ouais. Et croisé Nitrox en tronchon. Ouais, mais en fait, à l'opposé, mais genre, tu vois, le problème, c'est que. Moi, je posais la question parce que toutes les ventes sont toutes reliées. T'aurais pu faire un saut à la vente cafette. Qu'est-ce qu'il y a, Torren? J'ai pu voir un vote fufu. J'ai une petite question, Jake. Est-ce que si je fais ça, tu l'entends? Non, mais ça me perturbe visuellement. Oui. Allez, on joue à RP, on se mute. Alors, est-ce que j'ai des taches dans le coin? Oui. Voici de la fast food. C'est lequel celui-là? C'est celui-là, B4. Pour une fois qu'un distributeur ne tombe pas en panne. Vous aussi racontez vos mésaventures avec des distributeurs. Ah, panne d'électricité. Laissez-moi en vie, c'est réparé. Alors, le code 76771. Il faut ensuite. Oh là là, mais c'est tout à l'opposé. Une tache de câble. Il faudra que j'aille au lunchpad en dernier. Et l'électricité qui vient de tomber en panne encore. Qui vient d'être réparée à l'instant. Oh non, pas le ciment. Ok, c'est bon. Ensuite, les derniers câbles. Il y a beaucoup de monde hein, dans ce passage-là. Donc en remontant pour aller au sabotage au 2, je crois que c'est ça. J'ai croisé le corps de... C'était bleu. Nitrox, ouais. Bleu clair, du coup. Ok, alors... je suis assez perturbé parce que il y avait Jack avec nous dans... On était trois au réacteur, là, actuellement. Hein. Quatre, il y avait Français aussi. Donc je suis perturbé, là, parce que... Le corps, il était où, Touraine? Tu vois là où il y a la méga plante chelou en haut là? Bah, ouais, je montais là-haut. À la serre, quoi. Ouais. J'ai aucun nom, genre. Là où on fait pipi sur les plantes. Oui, peut-être. Il y a des plantes, c'est ça, c'est la serre. Plante piranha. Oui, ça, c'est mon main. Ça me fait penser à la plante, tu sais, dans Plante vs Zombie qui mange les zombies là, tu sais, quand ils arrivent trop proches. Est-ce que quelqu'un peut me dire exact. Qui est monté avec moi dans le set de décontamination en plus de français? Mais moi, j'ai été avec toi. Je suis passé en dernier et je crois que j'ai croisé, pendant que je faisais les câbles juste avant le sas, il y a Torren qui jouait avec la porte. Je sais pas du tout s'il est rentré ou sorti à ce moment-là. En vrai, parce que il reste seulement deux imposteurs, on n'est que cinq. Sache que, en gros, j'étais en train de faire les câbles à côté de toi, Jake.
Et quand je suis sorti des câbles, les lights se sont coupés. Toi, t'es oui. parti à... Oui, les lights se sont coupés et moi, je suis monté. Moi, je suis monté. Je suis allé réparer les lights. Quand je suis arrivé, il y avait déjà Ando et Français qui redescendaient. Du coup, je les ai suivis. On a passé le reste de la partie ensemble. Attends, t'es à réparer les lights? Non, je suis pas allé jusqu'au light. J'ai croisé Ando et Français qui redescendaient. Qui avaient fait les lights et qui redescendaient. Du coup, je suis parti avec eux et on est monté jusqu'au réacteur. Là où t'étais en train de faire ton petit pad de David Guetta. Ouais, le jeu du Simon. Oui, attends. Question con, pas de niveau task, on y est bientôt ou pas? J'ai une question avant. Jack était déjà là quand on est arrivé? Yep, il était déjà là, il était à gauche en train de faire le truc de David Guetta. Mais après, ça met du temps. T'en étais où, Jack, sur ta mission de David Guetta? Bah, vu que je suis dessus, qu'est-ce que tu veux que je sache à quel moment t'arrives? Bah, je sais pas, mais non, t'étais à quel. Oh, oui, c'est vrai, je suis con. Je pense sincèrement que c'est Jack et que Elliot est en train de le couvrir. Je pense que c'est Jack qui a fait le kill, qu'il a vent de. T'as pas vu que la barre a avancé quand on a fait les câbles en même temps? Et non, les câbles, sinon, ça avance pas, justement. C'était ma dernière tâche de câble. Bien sûr. Si, c'était ma tâche 3 sur 3, donc ça a forcément avancé. Je pense que c'est Jack et. Comme ça, on peut pas le prouver, ça? Si, si. Non, on peut pas. Enfin, si t'as pas fait attention, tu peux pas savoir, quoi. Moi, j'ai pas fait attention, donc je peux pas te dire. Tout ce que je sais, c'est qu'une bonne partie de la partie, j'étais avec Français, du coup, et on s'est pas beaucoup quitté. J'ai croisé un peu de monde de temps en temps, mais tout ce que je pense, c'est que c'était Jack et Elliot, du coup, et que Elliot essaie de couvrir Jack. T'as mis combien de temps pour aller des lights jusqu'au réacteur, Ando? Faut vraiment que j'ai compté, j'en sais rien, mais en tout cas, le Français était avec moi et on a croisé Descom qui nous a rejoint après. Et en seconde, le Freezer, c'était combien de temps? Vous avez passé toute la game ensemble, Ando et Français? Vous avez passé toute la game, Jack. Ouais, non. Vous avez évoqué pour qui? Jack. Et c'est une victoire des imposteurs qui sont Tauren et Defcom. Mais quel choqueur. Je suis désolé, Jack. JJ les bro. Sérieusement, écoute un peu plus. De quoi? Tauren, on sait absolument pas son parcours, personne l'a demandé. Mais Tauren, tu fais peur à Report les corps. Il faut pas que tu fasses ça. Ils allaient pas les trouver, les corps. Pourquoi tu les reportes? Non, mais j'avoue, systématiquement, il la reporte. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que 100% ils allaient pas me suspecter en fait, parce que je suis nouveau. C'est ça, exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis dit, oh, je connais pas trop la map, oh là là, alors je la connais très bien, je regarde des streams. Les deux premiers kills qu'on a fait là, qu'a fait, tu sais que je te faisais des signes pour que tu viennes avec moi. Parce que tu sais que électricité, il y avait deux mecs. Mon cooldown était fini, donc ça veut dire que ton cooldown était fini. Donc, ça veut dire qu'il y avait deux têtes qui tombaient en plus et on avait gagné. Okay. C'est le même cooldown? Ouais, c'est le même cooldown. On a tué en même temps. Ah. Moi, je comprends pas. Du coup, N2, t'es vraiment passé devant moi. Mais le kill synchro, c'était. Par contre, Nino, on en parle? J'ai vent devant toi. C'est quoi ta vent devant moi? J'ai vent, je suis sorti d'une vent devant toi. J'ai hurlé, hein. J'ai réveillé tout mon voisinage. J'ai une question. C'est toi qui rôdais dans les vents? Nitrox, y'a Nino qui parle. À quel moment, Tauren? Quand t'étais à côté de. T'as une sorte de truc d'admin, je crois. Ouais, mais en fait, quand t'as une tâche sur l'écran, tu peux pas. Si tu vois pas la veine. Je suis sorti de la veine, j'ai vu Nino, mais j'étais en mode. Elle m'a pas cramé. Oh shit. Je suis vraiment très triste parce que je voyais quelqu'un rôder dans l'event. Et quand je sors de l'admin, je me fais instant kill. Mais parce que, en fait, toi, j'ai vu que vous étiez plusieurs. Au moment où je t'ai vu rentrer là où il y a les lights. Et t'étais plus que tout seul, du coup je me suis dit, vas-y, je sors. Et j'ai été chopé. Moi, pauvre Nino, je l'ai tué sur la route en allant au spawn. Personne ne l'a trouvé, son corps est... Mais j'ai joué couilleux, du coup. C'est reparti. Genre le seul Tauren, tu fais peur à Report les corps. Le seul qui était tout seul... C'est reparti. C'est reparti et c'est l'avant-dernière. Bon, on va essayer de survivre jusqu'au bout cette fois. Ce ne sera chose aisée. Qui c'est qui est resté? Nino, ok. Il n'y a plus d'électricité. Ah! Je l'ai attendu pourtant, je suis deg. Heureusement que j'ai dit qu'on va essayer d'aller jusqu'au bout. Hein. Allez. Ah
Alors c'est Aerox qui est le corps. Donc si jamais Aerox n'arrive pas à parler, que son frère fasse la traduction sans tricher. Sinon, il y a le chat écrit. Non, attends. Vas-y, parle. Je suspecte Ando. Pourquoi ? Parce que il y avait Thorin et Ando. Ils étaient avec moi sur le chemin. Je suis tournée à gauche pour les laisser passer devant. Et comme par hasard, je retrouve Thorin. Sauf que moi, j'étais dans les, j'arrive dans les lights en fait. Moi, je tiens à dire que je suis parti en premier parce que j'avais pas l'émission du début. Et je suis direct, j'allais à Cafet et il y a eu les lights, donc j'ai pré-shot les lights du coup. Mais attends, par contre, Jake est mort et Jake, c'est un des derniers à être parti là. Oui, mais je peux pas le dire. Pour moi, il est mort où le corps Aerox, s'il te plaît? Où il était? Dans le couloir tout droit. Dans le couloir du spawn en bas? Non, en fait, il y a le couloir diagonal. Et après, il y a un couloir tout droit pour aller à Admin. Dans la serre. Ah, ok. D'accord. Donc, sache que il y a les lights qui sont éteints. J'ai fait un petit droite-gauche pour voir s'il n'y avait pas des gens qui allaient arriver et tout ça. J'ai croisé, mais du coup, Français qui montait. Moi, je suis parti qu'à fête et à peine quand je suis parti qu'à fête, ça a été reporté. Donc, ça veut dire que les deux kills venaient juste d'être faits et que ce sont les deux premiers qui sont partis qui ont fait les deux kills, tout simplement. Donc... Oui, mais attends, c'est que Jack était derrière moi, moi je suis un des derniers à être parti. C'est-à-dire que quelqu'un, le meurtrier, a pris une vente et est retourné tout au début au spawn pour buter Jack à l'arrière de tout le monde. Donc, où est la vente qui mène là en fait? Non, mais en fait, toutes les ventes sont reliées. Ouais, toutes les ventes sont reliées, donc tu peux faire toute la map si tu veux. Putain, ça fait chier. Parce que là, c'est ça qui s'est passé. Hein. Quelqu'un est parti, il a pris une vente, il est retourné au début pour niquer derrière. Ah non. Moi, je n'ai vu personne. J'avais personne à côté de moi, j'étais tout seul. Je suis direct à les rush piquettes. Mais Jack est mort au début, là, c'est obligé. Il était derrière moi. Oui, mais c'est pas moi. Genre, moi, je suis vraiment parti. Instant, dès que ça a commencé, je suis parti. Donc. Je savais pas que Jake allait revenir, quoi. Genre, était encore là. C'était Nolan qui était en train de faire les fils électriques avec moi ? Oui. Donc, couloir en triangle, là ? Ouais. Juste avant de monter. Ouais, j'étais là. Donc, a priori, toi, je suis direct et safe, après, ça veut pas dire grand chose. En tout cas, t'étais avec moi au moment où ça reporte. Ouais. En tout cas, je suis parti, j'ai fait les fils. Je suis juste allé au fil. Pour l'instant, on peut pas trop voter, mais après, faut voter après. Hein. Parce que là, ça a tombé vite. Hein. Ouais. Mais là, il y a un beau move qui a été fait au cas où il y a un Elliot qui vote Imra. Notez-le bien. Il y a eu un vote sur Imra de Elliot. Ouais, c'est pas grave. Alors, reprenons le fil des tâches. Toineron est mort, on ne sert qu'à ça. En plus, j'avais un med scan, sérieusement. Bien. D'autres câbles. Oh, il y a un petit cadavre là. Ah bah, il les reporte. C'était dans le sas devant réacteur. Sas? Une personne. Truc de décontamination. Il y avait ni. Bah ouais, j'étais là, mais j'ai pas vu. On est rentré en même temps. Il était où le corps? Juste devant la porte. Non, devant. Attends, devant la porte du sas, au bout du sas. Dernier...
Je suis bigleuse. Comment ça se passe? Parce que j'ai pas vu de corps. J'étais avec toi dans le sas, j'attendais que la porte s'ouvre pour aller au réacteur pour l'alerte. Et j'ai pas vu de corps. Mais c'était pas la porte qu'on a passée ensemble. La porte qu'on n'a pas passée dans la porte, il y avait un corps. Derrière la porte? La porte qu'on a passée ensemble. Oui, oui, on était dans le sas de décontamination. Bah écoute, j'ai pas vu le corps. C'est un on dirait une mère qui comprend pas son enfant, c'est trop drôle. Attends, j'essaie de décrypter, mais il y avait pas de corps dans le sas. Ou alors, faut vraiment que je change de lunettes ou que j'aille me coucher. Hein. Bah, moi, du coup, je tiens à dire que il y avait Elliot qui était en haut avec moi. Enfin, je l'ai croisé, Elliot, en haut. Oui, donc, oui. Il aurait pu prendre une vente. Parce que moi, je suis resté en haut au final. Après, je suspecte pas de prendre une vente, hein, c'est juste que tu aurais pu. Quand est-ce que j'aurais pu la prendre? Non, mais, genre, en fait, je pense pas que t'aies pris une vente parce que t'arrivais vers le bas. Donc, du coup, je pense pas qu'elle soit, mais tout ce que je disais, c'est que du coup, il y avait Elliot avec moi. Après, vous prenez okay. Comme vous voulez. Nous sommes les deux imposteurs, hein, Nitrox et Defcom, attention. Bah du coup, on n'a pas entendu Nolan. Nolan, t'as fait quoi de beau? Moi, j'étais à la cafette, j'ai fait le distributeur. J'ai pris les trucs marrons avec un espèce d'une salade dessus, là. Et j'ai été faire astéroïde. Ok. Et après, je suis allé au réacteur. Ça, oh, t'as voté? L'alarme a été faite. Et le truc a été fait, les portes. Bon, t'as voté instant, Elliot. Et mon frère a dit qu'il suspectait Elliot. Désolé, merde, j'avais oublié qu'il fallait que j'appuie, je parlais comme une merde tout seul. J'ai passé les trois quarts de ma game cafette et il y avait aucun moment Nolan, c'est-à-dire que je suis parti dès le début. J'ai fait mes câbles avec Nitrox, il y avait Nitrox et Ando, on a fait les câbles sur la gauche. Après, j'ai fait ma petite mission, j'ai fait mon petit téléchargement en bas à droite avec Français, des Montgolfières. Et après, j'ai tourné un peu dans la cafette, il n'y avait personne. Je suis remonté, il y avait Nitrox qui est parti. Ah ouais, non, moi j'ai fait le distributeur et je l'ai pas vu, c'est vrai. Qui ouais, partait en haut. C'est pas faux. Ouais, ouais. Mais je vous jure que c'est pas moi. J'étais café de tout ça. C'est qui? Bien. Il me reste quand même beaucoup de tâches. Et d'une manière générale, il reste beaucoup de tâches. Donc ça va être compliqué de gagner sur les tâches. Encore? Oh non! Voici! Et j'étais vraiment là. Ma meilleure vie, j'ai jamais été imposteur de toute la soirée. J'ai pas vu, c'est bizarre, pourtant j'ai fait un petit tour et tout dans la cafette. Par contre, c'est ouf! Hein, dès le début de la game, il a kill! Il m'a kill devant quelqu'un! La personne vous le dit, et vous gardez pas ça en tête? Écoutez-vous, s'il vous plaît, vous êtes trois à parler en même temps là. Il y a personne qui a dit que Ando avait tué sous ses. Mais si, non, en fait, il suspectait Ando, c'est pas la même chose. Enfin, il a pas dit de tuer Ando parce qu'il l'a tué devant ses yeux, en fait. C'était Irox et. Il l'a plus ou moins insinué, quoi. Il l'a insinué, c'est tout, quoi. Genre, c'était pas extrêmement sûr, quoi. Après, sans sa défense, on l'entend presque pas, il impose pas le. Le tiens, lui, je l'ai vu s'asseoir parce que moi j'ai rien entendu à ce qu'il a dit, hein. J'ai pas de dire. Mais... Je devrais écouter un peu plus parce que moi quand il a dit ça, j'étais un petit peu genre. En vrai, on aurait dû suspecter Nino parce que vraiment, c'est Nino qui essaye de défendre son pote et en plus qui entend mal donc ça prend encore plus de temps. On prend 60 secondes de plus. Attendez, je vous jure par contre que j'ai rien vu. J'ai pas vu le corps. C'est pas moi qui l'ai tué, du coup. C'est moi qui l'ai tué, c'est Imra qui est mort.
n'avez rien capté à ce qui s'est passé dans le sas de décontamination. Par contre, j'avais raison avec l'histoire du coup, quelqu'un a pris la bonne fois. C'était assez posé. Je regarderai le replay de mon live pour voir où était le corps, parce que là... Non mais on fait la dernière là, t'inquiète. Par contre, si je suis pas imposteur la dernière, je vais passer une très mauvaise soirée. Hein. Ouais, pareil là, ça me saoule. Parle par là. J'ai marre d'être gentil là. Mon chien va parler par le chat, son micro de main. Ouais, this is the last one. Donnez tout ce que vous avez, mais s'il vous plaît, écoutez-vous. Ouais, check tes mots. Ouais. C'est beau ce que tu dis, putain. Ah non, sont déjà en pointe. Moi, je pose une pièce sur Jake. C'est l'heure de l'innocence. Alors, on a des tâches d'un peu partout. On va commencer par les câbles dans le vestiaire. Comme ça, ce sera fait. Oh, ouais, Léa, il te dès le départ. Putain, hop là, personne m'a vu rentrer. On pourra pas dire. Oh là là, t'as pas suivi pour faire les lights. C'est grave. Déjà ? Alors, je suis arrivé dans les lights pour fixe et il y avait un corps. Voilà, c'est simple que ça. Moi, j'étais avec Kando il y a deux secondes au couloir triangulaire, mais sauf que je me suis séparé de lui parce que je croyais qu'il voulait me kill. Kill au light. Du coup, je suis vu que ça s'est passé très rapidement, essayons d'être un peu plus simple. Qui est parti en premier? C'est ça. Ah, parce que j'ai vu personne, donc... je t'avoue que j'ai bien mongolisé, moi. Moi, je suis parti en dernier, je crois, avec Imra. Moi, je sais pas, je suis parti combien de temps. Là, franchement, on a vu personne. Moi, j'étais juste derrière Tauren, mais après, je ne suis pas parti vers les lights. On est parti en dernier? Après, j'ai vu personne. Hein. J'ai vu personne. Moi, j'ai fait ma petite mission de la tortue, et j'ai fait ma petite essence, et j'ai été un peu froid au début. Non, parce que moi au début, j'ai vu Jake pas beaucoup bouger, du coup je me suis dit, bon, on va quand même rester au cas où Jake se fait encore persécuter au spawn. Pour moi, les personnes qui sont parties en premier, c'est Elliot, et après j'ai un doute entre Nitrox et Nolan. Alors sache que je suis parti dans les derniers, j'ai été AFK un peu au début parce que je dis à mon pote d'attendre parce que je dois jouer avec LOL, à LOL après avec lui. Et après j'ai déclenché ma petite mission de la tortue, j'ai fait mon essence et j'étais pas très loin derrière Jake et ça, j'étais vraiment derrière. Moi, j'ai une question. C'est... Qui était cafette? Moi, j'ai été cafette. Moi, j'ai été. Là t'étais au niveau de la bouteille qu'il faut faire sortir. Ouais, j'étais là. Ah, ok, donc c'est toi que j'ai vu, ok. Moi, j'ai un petit doute. Après, j'en sais rien, c'est juste un truc comme ça. J'ai un doute sur Tauren s'il fait comme la dernière partie, vu que il kill et ça le ferait pas. Je sais rien. J'allais au light, quelqu'un me suivait, il pourra te le confirmer. Ouais, ouais mais, non, mais en fait, le problème là, c'est que pour moi, tu viens de te griller parce que on voit pas qui est derrière en fait. Ouais. Vu qu'il n'y a pas les lights. Non, mais quelqu'un était derrière moi parce que je l'ai croisé dans le couloir. Genre, ouais. On faisait corps à corps. Genre. Ok, mais d'accord, mais faut le dire comme ça parce que voilà. Non, merci, je suis pas con. On n'utilise pas ces termes là, s'il te plaît. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Clips, voilà. Après, je suis arrivé, elles étaient fixes en fait, et je pense qu'il s'est fait tuer dès que c'est fixe. Et le mec est parti en event en fait, simplement. Sûr. Non, mais peut-être. Après, j'en sais rien parce que je crois qu'on a été les deux premiers avec Nando à part. Je sais pas, vérifie. Mais juste. Nino, t'étais dans quelle position de départ? Alors, je suis parti en avant-dernière, pas dans les premiers déjà de la salle parce que j'avais l'essence à faire. Et je suis remonté, je sais plus où était les lights, je sais plus si c'est à com ou si c'est à admin, mais en tout cas je montais vers admin. Bah elle était pas devant, c'est sûr et certain. Parce qu'en l'état actuel des choses, j'ai vu personne, donc je peux pas dire. Moi je vais surveiller très près Nolan, Tauren et Nitrox. Pour moi, parmi les trois, il y a deux imposteurs. Comme tu veux. Ok. Attendez avant. Bon, moi, fais comme tu veux. Je risque pas de. Moi, je tiens à dire que j'étais avec Nolan à la fin, donc voilà. Bon, je skip.
Et les lights ne sont toujours pas réparés. Eh bien, on va continuer à faire nos tâches. Ce sera des choses de fait, Nitrox. Nino. Ça fait beaucoup de monde qui répare pas les lights quand même. Hein. Y a personne. Y a personne sur les lights. Ok. Bon, alors les là gars, quand même. On est trois à l'avoir vu. Thorin a kill devant nous et est parti comme si de rien n'était. Là clairement on a vu l'animation. Hein. On a vu l'animation, on a vu le cadavre retomber. Il est reparti. Voilà. Ça vous avez vu sortir le gun et tout. Sauf que je pense que vous avez clairement mal vu, le gars est parti sous la vente et il y a même un deuxième corps en bas à droite. Bah pourquoi tu revenais vers nous alors? Justement, je voulais juste voir s'il n'y avait pas un deuxième imposteur histoire que je me fasse pas tuer en fait. Bah s'il y a deux corps, le cooldown est déjà utilisé. Ça, c'est pas voilà. Cool. Bah voilà, moi je pense que la défense est assez froide. Hein. Non mais sans déconner. Il y a vraiment un type qui l'a tué et qui est parti dans la veine. Ça, Mais alors pourquoi t'as pas report? Parce que je voulais attendre. En fait, pour moi, le cooldown n'était pas si haut que ça. En fait, tu dis, je joue rarement. Non, pour moi, très clairement, le light était éteint. Tu l'as buté. Mm-hmm. Tu t'es dit, bon, faut que je bute. Et en fait, les lights se sont remises à ce moment-là et on est sorti. Je te jure qu'il s'est fait tuer devant moi et il est parti dans la veine qui est en bas à droite là. Alors, Nitrox a quand même beaucoup parlé aujourd'hui, donc on va essayer de faire tourner la parole pour le peu de temps qui reste. Toto, moi j'étais vers le haut. Mais en fait, le truc c'est qu'on t'a vu sur l'animation du cadavre, c'est ça le truc. Vraiment, le cadavre était debout. Non mais le cadavre est debout avec toi, vous dansez une belle valse. Tu le tues, l'année il tombe le corps et vraiment tu bouges. Donc, Non mais parce qu'il était genre dans l'angle mort, tu sais, dans le coin de la pièce là. Oui mais voilà, je te dis ce qu'on a vu. Après, le vote oui, bien sûr. Mais je te dis comme ça moi. Non, mais bon, votez, il nous restait un peu de temps là, votez pas, c'est trop. Tu sais, il dansait avec la main juste avec l'os, tu sais, un tourbillon. C'est la chose de la famille Adams. Quand les orgues... pas mal, ça. Vas-y Nino. Vous verrez. Direct, tu votes quoi, tu te poses pas la question. Ouais. Pourtant, là, avec l'angle de la pièce. Anne, pour nous, non, on était là. C'est le remute. Non, je veux pas faire d'émergence. On n'a pas eu d'émergence beaucoup hein, ce soir, c'est assez intéressant. Alors, on va d'abord réparer. Alors, il y a Nitrox, il y a Français. 0, 4, 7, 9, 7. Allez, 1, c'est fait. Nino, elle met du temps quand même à faire le code alors que je viens de le faire. À partir du moment où je viens de le terminer. Il n'y a pas de raison de... Ok. C'est Elliot qui a réparé. Donc on remonte là-haut. Français. Nino. Il n'y a pas de cadavre. Bizarre. 85. 508. Ah, il y a encore un truc là. On va d'abord faire ça, hein, c'est rapide. Tac, tac, voilà. On va remettre la lumière. Vu que nous sommes à... Ok. Ensuite, laboratoire. Sion. Nitrox normalement. Ouais. Et c'est français, donc Aerox qui a report. Aerox, écoute, via le micro ou écrit, ok, un réacteur. Réacteur.
J'étais à laboratoire. Merde. Désolé, c'est parce que c'est ma touche 0 le. Bah en même temps, t'as écrit 0, donc on va se douter que t'appuies sur 0. C'est ma touche de parole, en fait, c'est le. Et j'étais à laboratoire, moi, à l'instant. Je suis remontée par le sas de décontamination. J'avais une quête en haut, là, dans le couloir, et je suis allée voir le laboratoire et il y avait personne. J'ai croisé personne. Alors. Moi, je suis parti de cette magnifique table repas. Je suis allé faire ma dernière quête des câbles, qui est dans le couloir vertical, juste au-dessus du spawn. Enfin, quand on sort du spawn. Après, je suis retourné à ma petite cafétéria, où j'ai fait mon petit voyage de feuilles. Et après, les lights se sont éteintes, et je suis parti tout fièrement démonter les lights. Je suis désolé, y a un truc qui me paraît bizarre. Irox, il dit un réacteur, mais il était derrière moi. À quel moment il est passé devant moi dans des contaminations? Dommage qu'il puisse pas trop se défendre, parce que... En fait, pour vous expliquer, hein, j'étais du côté d'Admin, je suis redescendu du couvert des contaminations, dans les couloirs en Y, et j'avais Irox qui était derrière moi, devant moi, derrière moi, en fait. J'ai doublé. Je suis remontée par décontamination. Et il dit qu'il a trouvé le corps réacteur. Mais je l'aurais vu dans ce cas-là, dans le sas de décontamination. Et entre-temps, il y a les lights qui se sont éteintes. Donc peut-être, je veux pas faire l'avocat du diable, j'en sais rien. Mais est-ce que vous auriez pu vous croiser avec le fait que les lights soient éteintes? Si toi, t'étais à la laboratoire et que lui est passé à réacteur. Il est possible, il y a une infime chance que vous vous soyez croisés sans vous être vus à cause des lights éteintes. Mais, voilà. Il ne suspect. Alors, si jamais vous... Elle a mis 40 000 ans déjà à Admin. Et aussi, elle était à laboratoire et le corps était pas loin de l'entrée des réacteurs. Le corps était à entrée de réacteur? Quoi? Le corps, le cadavre, il était à entrée de réacteur? Il était dans le réacteur un peu plus loin. Elle aurait eu le temps de kill après de retourner au laboratoire. Ok, alors au cas où, j'ai gardé ma tâche de medbay. Je peux prouver mon innocence au besoin. On fait un tour, là, on se dirige tous à medbay. Les animations sont actives sur cette game? Oui. Je vous montre que j'ai... Parce que j'ai une autre question. Voilà. Vu que les ventilations sont toutes reliées, pourquoi ce serait pas Elliot? Moi j'ai fait un petit truc café. Pour moi c'est. Et après je suis remonté faire le light. Quoi qu'il arrive là, il en reste qu'un de toute façon. Moi c'est Irox. C'était forcé que ce soit une égalité. C'est vraiment forcé que ce soit une gate. Donc là, il faut qu'on reste à 3. Il n'en reste qu'un. Les lights s'éteignent. Faut les réparer. Je suis avec rouge. Rouge est là. S'il y a un cadavre... Non, rouge reste avec moi. Ça s'est avancé. C'est... Ok, c'est pas Irox. Pyrox. Nino est là. Vas-y Nino, c'est pas Nino. C'est clairement pas Nino. Et Elliot peut pas voir à cause des lights. Faut réparer. Faut réparer, faut réparer, faut réparer. C'est pas Nino. Non, les lights, non. Il y a des scopes derrière. Putain, je l'ai vu. Dommage, Jake. Vas-y, fais ton argumentation parce que je vais te démonter, là. Tu vas me démonter la gueule. Alors, de base, Madame Nino a dit que qu'elle avait son petit medscan à faire. Je l'ai directement suivi, ce que deux, on n'avait pas fait du tout. Du coup, je suis allé vous chercher en haut. Vous êtes redescendu
on a regardé les deux, Jake et moi, le scan. Puis on est reparti en haut, il y a les lights qui se sont coupés. Et au moment où les lights se sont coupés, là où on était dans le couloir en Y, il y a eu un petit kill. Je spammais mon bouton report, hein. Vraiment, je spammais mon bouton report. Donc c'est bon, t'as terminé ? I finish, bro. Ok, je sais que c'est toi depuis le scan, tout simplement parce que vu que les lights se sont coupés, tu ne pouvais pas voir que c'était Nino qui faisait bien le scan parce que t'étais trop loin de la porte. J'étais sur Nino pour voir, vu l'étendue des lights dans cette partie-là, qu'elles sont assez faibles, t'es obligé d'être sur le scan avec la personne qui fait le scan. T'étais trop loin et j'ai pas terminé. Ensuite, Nino et moi, on s'est collé les fesses, on s'est suivis volontairement l'un et l'autre pour rester dans la lumière de l'un et l'autre pour le peu qu'il y avait. On est remonté, on t'a croisé. T'as tué Nino à ce moment-là, tu m'as vu, t'as reporté automatiquement. Pour la partie d'avant, j'ai pas terminé. Pour la partie d'avant, oui, il me semblait bien qu'il y avait un doute sur toi, tout simplement parce que quand je suis rentré dans la salle des lights, il me semblait bien qu'il y avait personne. Je fais les lights, je vois que quelqu'un touche les lights, je sors de l'écran des lights de la fenêtre, je te vois avec moi sur les lights. J'essaye de les réparer, t'essayes de les traficoter. Par défaut, je re-enlève mon écran daylight, tu les répares à ce moment-là pour essayer de faire croire que tu les répares. Mais juste avant, vu qu'il n'y avait personne dans la salle, ça veut dire que tu avais utilisé la ventilation alors que tu venais de tuer un réacteur. Alors, sache que j'étais vraiment capable Aerox, fais pas de conneries. De faire mes petites missions. Et je suis vraiment remonté. Je suis vraiment remonté au light. J'étais le premier sur les lights. Non mais je t'écoute plus là en fait. J'ai commencé à toucher. Et là, t'as touché. Donc du coup, t'as arrêté. J'ai continué, vu que tu t'es arrêté. Et sache que les lights... Au revoir. Mec, what the fuck. Bien joué. Oh là là. Putain. Mec, j'ai même pas terminé de parler. T'as parlé tout le long. J'ai même pas eu le temps de... Bah pour une fois, hein, tu m'excuseras. Hey, toc. Par contre... Y'a qui a jamais été un peu sûr avec moi? Moi, j'ai été juste une fois de la soirée. Ah, j'ai le seum, j'ai même pas eu le temps de parler, je te la donne pas cette victoire. Je t'ai donné la parole en premier exprès. T'as parlé pendant 20 minutes et après, j'ai même sur le timer vraiment des secondes, j'ai moins parlé que toi, mon cher. Par contre, j'ai vu Elliot sortir de la veine et là, il m'a instant kill. J'étais en PLS. Oui. J'étais trop mal. Par contre, Jake, j'ai vraiment passé ma game cafette et je suis vraiment remonté de cafette et je suis arrivé au premier light. J'ai fait les lights, t'as touché les lights, j'ai arrêté, arrêté et j'ai continué. Oui, ça oui. T'es vraiment. J'étais tranquille quoi. Ce truc là, c'était n'importe quoi ce que tu disais. Comment t'as tué un réacteur ? Réacteur, ben là oui, j'ai pris la vente tout en bas à cafette quoi. Et t'es redescendu à cafette, d'accord. Ouais. Bien, ce fut fort instructif ça. Bon. Merci de nous avoir suivis. Merci au follow de mon côté. Merci Rimfire pour le don. Merci à ceux qui ont joué ce soir, c'est super cool. On essaie de remettre ça mardi prochain pour ceux qui le souhaitent. Merci, je suppose, aussi aux viewers de chez Imra et de chez Nino. N'hésitez pas à vous abonner ici chez Ivasan, à vous abonner chez Imra, à vous abonner chez Nino. Rejoignez le Discord, bref, vous connaissez la chanson, il y a des liens partout, faut cliquer, et vous, voilà, vous faites ce que vous avez à faire. Bisous. Et bisous à tous. Allez. Bisous.